Yo yo yo, comment ça va les gars? Par aujourd'hui sur le deuxième épisode de King Foot Live après celui qu'il y a eu il y a 2 semaines après les matchs aller de Ligue des Champions. Aujourd'hui je suis pas seul les gars, je suis avec Giacomo de Milan, France. Comment ça va frérot? Je suis aussi avec Benjamin de Vitória Guimarães ou Vitória Sport Club plus précisément, France aussi. Comment ça va frérot? Ah, parce que là, il y a une quatrième place qui va se jouer. Il y a une quatrième place, une cinquième place qui peut se jouer. Ouais. Et Stupinian aussi, qui est très, très, qui fait une très très bonne saison pour l'instant du côté de Guimarães. Un qualifié aussi pour les quarts de finale de Ligue des Champions, avec un cyborg, hein, on le sait, sur l'attaque de cette équipe du Borussia Dortmund. Esteban, comment ça va? En plus, une victoire en championnat aussi, et une qualif en Ligue des Champions, face à un Séville, qui est aussi une très bonne équipe, et on est avec le spécialiste des jeunes du FC Porto. Un spécialiste des jeunes du FC Porto, donc qui suit pas mal aussi l'équipe B, qui joue en deuxième division, et aussi ceux qui sont en équipe A, comme un certain Français aussi, Malang Sarr, etc. Comment ça va, Cédric? Pardon. Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien. Écoute, tu vas un peu nous parler de ces jeunes qui ont participé à la qualification aussi du FC Porto. On pense notamment à Malang Sarr qui est rentré dans ce match. Et on va commencer du coup par ce match de Ligue des Champions entre le FC Porto et la Juve. Donc la qualification du FC Porto en prolongation, 3 buts à 2 pour la Juve, mais le but à l'extérieur donc qui qualifie le FC Porto. On va d'abord parler un peu de la Juventus avec notre ami du Milan qui suit donc la Serie A. Comment ça a été perçu cette élimination de cette équipe de la Juventus en Italie? Très mal et c'est peu de le dire parce que on se rappelle quand même que l'arrivée de Cristiano était pour faire passer un cap à la Juve et à savoir bah, tout simplement gagner après les échecs de 2015 et 2017 en finale et là il n'est jamais allé dans le dernier carré donc il y a le Corriere dello Sport notamment qui a dit que la Juve avait été trahie par Cristiano. Moi j'ai trouvé ça un peu sévère même s'il a pas réalisé un très gros match. Et puis bah, tout simplement des questions sur la suite du projet à donner, parce qu'il reste un an de contrat à Cristiano. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est sûr, c'est que je pense que vous avez tous vu le match, et ça les médias sont d'accord là-dessus. Je pense aussi le board de la Juve partage cet avis, c'est qu'il y a des jeunes sur lesquels il faut clairement bâtir, De Ligt, Chiesa. Chiesa qui a fait encore un match exceptionnel avec un doublé, notamment c'est lui aussi qui avait marqué le but un peu de l'espoir de la Juve lors du match aller. Et c'est vrai que c'est compliqué. On a vu en conférence de presse d'après match avec Sergio Conceição, il n'a eu aucune question de la part des journalistes. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un coach d'une équipe qui vient d'éliminer quand même la Juventus, qui est une des plus grosses équipes européennes, qui reste sur 9 titres de champion d'Italie, de voir justement ce manque de questions et de d'interaction sociale, on va dire, pour le coach portugais. T'en penses quoi, Benjamin? Non, pour moi, c'est un scandale pour moi quand même. Genre, ça montre l'image qu'a le foot portugais en Europe. Genre, on dirait qu'on s'en fout. On dirait que le foot portugais, genre, sortait l'inverse. L'entraîneur de la Juve, on lui aurait posé 12 000 questions. Alors que là, moi sur le coup, ça m'a vraiment énervé. Moi, bon, après, Porto, c'est un club que j'aime beaucoup, mais bon, c'est pas mon club non plus. Mais ça aurait été notre cas à nous. Moi, clairement, j'aurais fait un tweet sur VSCFR. Mais vraiment, je trouve que c'est un manque de respect total pour le foot portugais. Vous partagez cet avis, les gars? Ouais, je rejoins ce qu'il a dit. C'est sûr que c'est irrespectueux de la part des journalistes de ne pas avoir posé de questions à Conceição, surtout après la qualif du Porto face à la Juve. Surtout avec une tactique qui. Le Porto, quand même, qui se qualifiait en restant plus d'une heure à 10 contre 11, hein, contre cette équipe de la Juve Oui, avec qui on ils compte quand l'ont même mérité. De toute des façon, la Cristiano qualif. Ronaldo, des Alvaro Morata, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà gagné cette compétition. À Porto, il y a un joueur qui a gagné cette compétition, il a 38 ans et il nous a sorti la masterclass de l'année à son poste. Et puis il est monstrueux dans ce match-là. C'est
Il a 38 ans, mais on dirait qu'il en a clairement 10 ans de moins. C'est incroyable la longévité de ce joueur. Parce que on a vu avec la tactique donc de Conseil Sao qui était d'empêcher donc la Juve de vraiment rentrer dans l'axe et donc de passer sur les côtés avec par exemple un Juan Cuadrado qui a fait plus de 20 centres dans ce match, ce qui est des chiffres énormes et ça a pas souvent trouvé grand monde hein, à part sur le but de Chiesa et sur cette tête d'Alvaro Morata en tout début de match qui aurait pu donner l'avantage à la Juventus avec un arrêt magnifique de Marchesin, mais voilà, donc il aurait pu aussi avoir des questions sur justement cette tactique de comment il a réussi à faire déjouer la Juventus. Mais voilà, j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous trouvez légitime cet acharnement qu'on a maintenant sur Cristiano Ronaldo qui malheureusement n'a pas été flamboyant et même quasi inexistant sur les deux matchs? Est-ce que vous trouvez ça légitime cet acharnement qu'il y a sur le quintuple Ballon d'Or? Après, là, c'est le cœur portugais qui va parler, mais non, pas du tout. Ronaldo, c'est quand même le meilleur joueur du monde. Donc, après, je trouve que comme il a fait la passe D, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas été étincelant, mais Oui, il fait la passe D il a quand même. sur le but de Chiesa. Oui. Mais après, c'est normal quand tu as un joueur comme Cristiano Ronaldo, quand tu passes à côté d'un match en plus en Ligue des Champions, c'est sûr qu'on va tomber dessus. Mais s'acharner comme ça sur lui, non, c'est. Quand on sait comme il est, il va bosser pour me revenir à plus fort, mais j'ai pas doute et même j'espère que ça va bien le motiver pour l'Euro, qu'il nous le fasse gagner. Mais après, je pense que cet acharnement n'est pas du tout mérité. Pour un, bon, certes, il a pas été, on l'a pas vu dans le match, à part la passe décisive, mais quand c'est un joueur Ronaldo comme ça, ou même ça aurait été même Messi qui aurait fait ça, on serait acharné dessus. Mais quand Il t'as y a un un grand peu le joueur, même, c'est sûr, il y les a un peu victoires le sont là, même, mais. il y a un peu le même cas de figure avec Messi au Barça. Je pense qu'on oublie souvent qu'ils ont quand même 34 et 36 ans, tu vois. Où la plupart des joueurs à leur âge sont en pré-retraite dans des pays exotiques ou même déjà à la retraite. Et eux, ils sont là et quand même, ils arrivent à marquer des buts. Ronaldo est meilleur buteur de Serie A, Messi est meilleur buteur de Liga, si je me trompe pas. Donc il y a quand même pas mal de monde qui, enfin, ils font quand même leur taf. Après, malheureusement, ils peuvent plus charger une équipe sur le dos comme ils faisaient plus jeune, comme l'a fait Ronaldo plusieurs fois avec le Real ou même avec la Juve sur la double confrontation contre l'Atlético où il met le triplé au retour. Et je pense qu'ils nous ont trop conditionnés à des performances comme ça, à pouvoir remonter tout seul des matchs, que vu que maintenant ils arrivent plus à le faire ou moins en tout cas, bah, l'acharnement est sur eux et de plus en plus fort. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais... Je suis totalement d'accord. Ouais. On est trop habitué à voir des masterclass de leur part. Ils loupent un match et puis ils sont finis pour les autres, quoi. Pas oublier que Bah, la Ligue les des exceptions, Champions, c'est dans. Faut aussi voir dans le bourbier qu'ils sont, quoi. Tu regardes les deux équipes. La Juve, ça descend de niveau depuis quoi? Depuis 4-5 ans. Le club est hyper mal géré. Enfin, Mercato, ça fait un peu n'importe quoi. Ouais. Faut penser à l'échange Danilo contre Cancelo. À aucun moment tu le fais l'échange. Maintenant on voit que Cancelo il réalise masterclass sur masterclass avec Guardiola. L'échange Pjanic Arthur, même si Arthur, bon, il est jeune, il aura le temps de se développer. Mais pareil, là il n'y a aucun gagnant. Pjanic il joue quasiment pas à la Juve, enfin au Barça. Et quand il joue, il est mauvais. Enfin, il y a tout qui est mal foutu là-bas. Et puis même à Barcelone. Enfin, là, je crois qu'ils sont deuxièmes, il me semble. Troisième, Oui, ils sont ils ont troisièmes. un Ouais, point de moins que troisième. le Et. Real avec un match en moins. Ah, voilà, c'est ça. Mais enfin, même après, dans le jeu, ça, bon, c'est certes un peu mieux depuis quoi? Depuis 2 mois, mais enfin, ça reste insuffisant pour Barcelone. Donc, pas oublier que c'est un sport collectif et que ce soit Messi Ronaldo et que ce soit les deux meilleurs joueurs du monde de l'histoire du foot, enfin, je veux dire, ils ne pourront pas tout gérer au sol, quoi. Puis ils n'ont rien à prouver non plus, quoi. Ils n'ont plus rien à prouver maintenant. Non, c'est le premier et deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ils sont chacun meilleur buteur de leur sélection, de plein de trucs. Messi est meilleur buteur du Barça ou le meilleur buteur de l'histoire de la Liga, si je me trompe pas. Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid aussi. Donc, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y a 11 ballons d'or à eux deux, je ne sais plus combien de souliers d'or. Enfin, voilà, ils sont incroyables ces deux joueurs quand même. On peut dire qu'on a eu la chance de les voir jouer à leur meilleur niveau. Fin Après, la des. relève est là avec Haaland et Mbappé, mais c'est sûr que ces joueurs-là, ils ont banalisé l'exceptionnel. C'est sûr que quand ils ont habitué à
à faire des remontadas à eux tout seuls. Maintenant, quand bah, là je fais l'effet, mais ils sont toujours exceptionnels. L'image du but que Messi marque contre Paris, Il est incroyable. même si personnellement, en tant que fan du PSG, j'aurais aimé qu'il le fasse pas, mais son but est exceptionnel. Ça montre qu'ils sont capables encore faire des éclairs de génie comme ils l'ont fait, comme ils savent encore le faire. C'est sûr qu'on est plus vers la fin on est plus vers la fin avec eux, tu vois. Voilà. Même si ça fait mal au cœur de se dire que ces deux légendes absolues vont bientôt s'arrêter. Cédric, un petit mot sur cet acharnement sur CR7? Honnêtement, je pense que quand ils prendront leur retraite, Messi et CR7, pour ne pas faire focus que sur CR7, je pense qu'on va plus s'en rendre compte de l'importance qu'ils ont eue. Ouais, Et c'est une ça. fois qu'ils seront plus là, on se rendra mieux compte et je pense qu'on va vite les regretter. Ok. Je vais vous poser une autre question sur la Juventus. Est-ce que le choix Pirlo en tant que coach de cette équipe de la Juventus était le bon choix à faire après le départ de Sarri? Si quelqu'un veut prendre la Bah, pas parole. par défaut, hein. Parce qu'il avait été nommé une semaine avant coach des U23. Ouais, j'ai vu 9 jours. Moi, je pense très clairement qu'il cherchait Zidane. Il cherchait Zidane. On se rappelle que 2 ans, enfin l'année avant, il cherchait Guardiola. Bon, ça n'a pas pu se faire, du coup, c'était Sarri. Déjà, pour moi, c'était une erreur de casting. Et bon, ça il s'est avéré que c'était le cas. Mais n'ayant pas pu avoir Zidane et n'ayant pas gardé Sarri, bah, ils ont lancé Pirlo. Après, je pense aussi qu'il faut accepter du côté de la Juve que c'est une année de transition. Pirlo va rester l'année prochaine, il sera là, certainement. Après, tout peut arriver, mais il reste la Serie A et la Coupe d'Italie. Hein. Ils sont en finale de Coupe d'Italie, donc ils peuvent gagner. Serie A, ça va être plus compliqué, je pense. Mais l'année prochaine, par contre, il n'aura pas le droit à l'erreur. Et si il enchaîne une seconde saison avec des performances européennes si comment dire, Si faible. je vais un peu ouais faible, merci, j'allais dire lamentable, mais faible. Là, oui, il restera pas. C'est vrai que Zidane, avec son passé de joueur, etc., aurait pu être un bon choix, mais bon, il est pour l'instant au Real Madrid et il semblerait qu'il resterait la saison prochaine chez les Merengues. On verra ça dans les prochaines semaines. Justement, quel visage vous voyez les Turinois pour les Turinois la saison prochaine? Est-ce que ce sera sans Pirlo, sans Ronaldo, sans d'autres joueurs je sais pas, avec des recrues, peut-être des joueurs plus jeunes comme ils ont tenté cette année avec McKennie ou Kulusevski, si je le dis bien, je sais pas, mais voilà. Quel visage vous voyez pour la Juventus la saison prochaine pour peut-être essayer de dorer le blason et re-arriver à aller dans ce dernier carré de la Ligue des Champions. Honnêtement, Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer, hein. je pense que si Pirlo, si l'année prochaine il fait pareil, je pense qu'ils vont quand même le conserver. Mais s'il fait les mêmes choses qu'il a fait cette année l'année prochaine, je pense qu'ils vont vite s'en débarrasser. Je pense là, après Ronaldo, peut-être qu'il va rester, mais enfin, les rumeurs l'envoient au Real, les rumeurs l'envoient un peu partout, donc. Voilà, il y a un peu tout le monde. Hein. J'ai vu des rumeurs Real, j'ai vu des rumeurs PSG, j'ai vu des rumeurs à Manchester United. Et un peu tout le monde, quoi. On ne sait pas. Est-ce qu'il va retourner à Manchester, essayer de remonter le club avec Bruno Fernandes? Est-ce que moi, pour moi, le retour au Real Madrid, pour moi, n'est pas à prendre en compte parce que le Real est plus sur pourquoi pas aller chercher Haaland, aller chercher Mbappé, aller chercher des joueurs comme ça. Et je pense pas que ça soit dans leur optique d'aller chercher Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Après, il leur manque surtout un gars que la crise sanitaire a littéralement tué. C'est triste pour le foot, c'est Dybala. Hein. Il ne s'est pas remis du Covid. Il a raté Et les deux matchs avec ce face au FC gars. Porto. Il a raté les deux matchs. C'est ça. Et quand il joue, il n'est pas en forme. Avec Dybala, c'est une arme en plus. C'est le lien entre le milieu et l'attaque que la Juve n'a pas. Ce serait s'il revient à 100%, c'est la recrue. Hein. Parce que on se souvient du Dybala il y a 3, 4, 5 ans. C'est sûr que le niveau n'est pas le même avec le Dybala de cette saison.
termine meilleur joueur de Serie A, hein, devant Cristiano. De toute façon, c'est le Covid qui l'a tué. Hein. Depuis, c'était quand? Depuis juillet, il a trop de mal à revenir. Alors que, après, ça, il est encore jeune, il a quoi, il a 26-27 ans. Donc, il lui reste encore des bonnes années devant lui. Mais j'espère qu'il aura une bonne préparation cet été pour l'année prochaine, quoi. La Gioia, comme on l'appelle. On va passer maintenant du coup à un deuxième match. On va passer à un certain Borussia Dortmund Séville. Donc j'ai titré ça le Borussia avec un Erling Braut Haaland étincelant élimine le FC Séville. Nouveau record pour le Norvégien. C'est le joueur le plus rapide pour marquer 20 buts en Ligue des Champions en seulement 14 matchs. Où va-t-il s'arrêter ce mec? Je te pose la question, Esteban, où va-t-il s'arrêter? Bah, je sais pas quel mot utiliser pour le définir, hein. C'est difficile de pas s'enflammer sur lui quand même. Parce que chaque match, il est présent, enfin, il a un état d'esprit irréprochable. Ça se voit sur le terrain, de toute façon, quand même un de ses coéquipiers marque un but, lui fonce dessus, quitte à le soulever, crie gaffe à l'oreille, l'étrangler aussi. Enfin, c'est vraiment un joueur formidable. Devant le but, enfin, il est inarrêtable. Puis même, il a vachement progressé par rapport à l'année dernière, c'est dans ses courses. Après, il a toujours son petit défaut, c'est sur le premier contrôle de balle. Il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos justement là-dessus, pour voir comment il pourrait corriger ça. Mais en un an, déjà, on voit une progression énorme depuis qu'il est arrivé. C'est fou, tout simplement. Et j'espère qu'on va le garder cet été. Je pense que de toute façon, il partira pas cet été, mais plus l'été d'après. Mais c'est sûr que s'il continue comme ça et qu'il a le même état d'esprit, il ira très loin. Les autres, un petit mot sur ce joueur incroyable qui va sûrement sur les 10 prochaines années nous, ou même les 15 prochaines années nous vendre du rêve et peut-être briser quelques records. Non mais Haaland, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis peut-être les débuts de Ronaldo Messi. Parce qu'il marque but sur but et. Ah, moi, mon premier souvenir avec lui, c'est quand il marque son but au Borussia Park contre Paris. On a la frappe du Quand gauche là. il frappe du gauche, on entend bien le filet un peu comme à la basket, on dirait que c'est incroyable. Bien sûr, il a toujours des choses à progresser, mais là, c'est déjà exceptionnel ce qu'il fait. Je pense qu'il va devenir l'un des. Déjà, c'est l'un des meilleurs joueurs de la future génération, voire le meilleur, s'il continue comme ça. Ouais, c'est impressionnant. C'est même les stats. Enfin, quand tu vois les stats du mec, tu te dis, c'est fou quand même. Parce que, encore que même la semaine dernière, contre le Bayern, il marque doublé. Même si derrière, bon, t'as un Lewandowski qui en marque 3. Parce que bon, c'est un peu le duel, hein, on va dire, entre les deux. Bah si, hop, c'est le duel. Même s'il y a un petit André Silva qui essaye de se glisser au milieu Ouais. en tant que dans les meilleurs buteurs de Bundesliga. Mais c'est vrai que le mec, on se demande où est-ce qu'il va s'arrêter. Hein. Le type. Là, il y a quelques rumeurs qu'il envoie un peu partout cet été. On a vu le Barça, j'ai vu le Barça, j'ai vu Manchester City aussi, là où son père avait joué, si je dis pas de conneries. Mais c'est vrai qu'on l'envoie un peu partout et j'ai l'impression que ce joueur a tout pour s'imposer dans n'importe quel championnat. C'est fou. De toute façon, on voit avec les supporters, enfin, j'ai pu discuter avec certains supporters sur Twitter, et même eux, s'ils partent, enfin, ils continueront à le regarder et l'encourager, et on espère qu'il finira dans le meilleur club du monde et qu'il restera le plus longtemps possible, parce qu'on pourra dire que ce joueur a été chez nous et qu'on l'a vu enfin, exploser à Dortmund. Donc, on espère qu'il fera une grosse carrière maintenant. Je vais vous poser aussi une question sur ce match, cette fois-ci plus côté Séville. Est-ce que le FC Séville, pour vous, va réussir à se détacher de cette image d'équipe d'Europa League? Parce qu'on sait que c'est le club le plus titré en Europa League. Et est-ce qu'ils vont réussir un jour à enlever cette étiquette dont on est la meilleure équipe en Europa League sur les dernières années et réussir à vraiment s'imposer en Ligue des Champions? Régulièrement, en Ligue des Champions, ils arrivent à sortir des poules. Mais je pense que pour vraiment se détacher de l'image de l'Europa, il faudrait qu'ils fassent une grosse campagne européenne, arriver demi, voire même finale. On ne sait jamais sur un scénario à la Monaco en 2004. Je pense que, je trouve, ils jouent bien. Ils ont un beau football, je trouve. Après, avec Dortmund, c'était meilleur. Mais là, c'est huitième. Il me semble qu'ils. Meilleure perf, c'était quart de finale. Donc Manchester, c'est un huitième en quart. Je sais plus du tout. Mais je pense que pour vraiment qu'ils s'enlèvent l'image de. L'équipe Europa League, il faudrait qu'ils fassent régulièrement des beaux parcours
des beaux parcours en Ligue des Champions. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Il leur faudrait peut-être un crack Après, regarde. pour reprendre la comparaison avec Ouais, le Monaco. Il leur faudrait peut-être un crack comme Mbappé, une année ou deux, ou comme Haaland à Dortmund pour arriver dans le dernier carré, ouais. parce que le problème, c'est que défensivement, ils ont peut-être l'une des meilleures charnières d'Europe aujourd'hui avec Diego Carlos et Jules Koundé qui sont tous les deux exceptionnels. Le problème, c'est peut-être plus sur l'offensif, même si on a En-Nesyri qui marque beaucoup de buts. On voit souvent que quand il n'y a pas Lucas Ocampos, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Je sais pas ce que vous en pensez sur ça, mais. C'est-à-dire, c'est Ocampos ton arme offensive numéro 1. Peut difficilement prétendre à aller plus loin que les 8e, quoi. C'est un bon joueur sur En fait, Ocampos, tu mais c'est vrai regardes. qu'il faudrait une classe au-dessus. Un très bon attaquant qui marque but sur but. Ou... Peut-être Puis tu pas regardes le Haaland, nombre je pense d'occasions que. Je qu'ils ont eues. pense que Séville, financièrement, il ne peut pas s'offrir un Haaland ou un joueur de ce registre-là, mais. Ben quand tu vois le prix que Dortmund a payé pour Haaland, si tu vas réussir à chercher un joueur comme ça, Ouais, c'est ça. c'est jouable. Hein. Parce que Haaland à Dortmund, ça a été combien le transfert, Esteban? Il me semble que ça a été 20 ou 25 millions la clause, ouais, 25 je crois. Ah, c'est un putain de braquage quand même. 25 Et millions, peut-être qu'il frérot, fallait. Porto a vendu Fabio Silva à Wolverhampton, 40 millions. Hein. La clause était à 25, tu pouvais déjà le vendre 70 millions à Manchester. Donc à partir de là. C'est ça. Hein. Donc si tu arrives à aller chercher un crack comme ça peut t'aider aussi. Hein. Après, il faut recruter intelligemment, c'est. Après. Tu regardes la première mi-temps de Séville, on gagne 1-0 à la mi-temps, c'est vraiment le hold-up de l'année, quoi. On était derrière dans notre surface, on n'arrivait pas à s'en sortir, on faisait que dégager avec des longs ballons. Et... Il suffit d'un contre et bah, c'est fatal, quoi. Donc, il leur manquait de l'efficacité devant. En soi, ils auraient pu. Deuxième match, ils méritaient plus de gagner, mais on a fait un bon match là-bas. Donc sur l'ensemble, je trouve que la qualif a été méritée, mais. Séville aurait pu se qualifier, ça aurait pas été non plus un vol. Hein. Ouais. Je vais te poser une question, Esteban. Ça, c'est vraiment visé sur toi. Meunier, qu'est-ce qu'il fait au Borussia Dortmund aujourd'hui? J'en peux plus. Que fait Thomas Ah Meunier dans mais cette équipe? franchement, c'est joueur, mais j'ai regardé pas mal de matchs de Paris. Parce que dans ma famille, j'ai un supporter parisien, du coup, ça m'arrive de regarder. Et ce joueur est une énigme du football. Vraiment, c'est une catastrophe. Je ne comprends En pas tant que pourquoi on supporter l'a été parisien, je suis ravi. chercher. Ouais. Je comprends pas pourquoi on a été chercher. On avait Hakimi. Ouais, Je c'était pleure tous incroyable. les jours pour Hakimi. C'est un truc de ouf. Hakimi qui est l'un On laisse des meilleurs partir. latérales d'Europe aujourd'hui. Hein. Mais oui, on le laisse partir alors que ça marchait très bien avec Guerreiro en piston gauche et Hakimi en piston droit. C'était les deux joueurs parfaits pour le système. Tu viens prendre Meunier qui a deux pieds carrés, qui sait pas faire un centre, qui est hyper lent, qui sait pas défendre, qui anticipe rien du tout. Et regarde le match contre enfin le classiqueur la semaine dernière. Il est sur deux buts. Et le premier, ah oui, il est sur deux buts. Et en plus, il rate sa passe pour le troisième but pour Haaland. Et franchement, je ne comprends pas l'intérêt de ce transfert. Ouais. Et puis, de toute façon, il s'est fait jarter par Matteo Moret après, qui est arrivé titulaire, du coup, maintenant, depuis quelques semaines. Et franchement, c'est dramatique, ce joueur. On n'en peut plus. À Dortmund. Ah, je veux bien comprendre. Même à Porto, je ne voudrais pas de ça. Je préfère de loin Wilson. Je préfère de loin Wilson Manafa. Hein. Cédric, je sais pas si t'es Après. d'accord avec moi, mais je préfère de loin Après. Wilson Manafa. Même Thomas Estevez, hein, s'il Mais. faut. Hein. Reviens de Reading, frérot. Y a pas de souci. Hein. Ah, c'est sûr. PSG, on est très content de l'avoir vendu au Borussia. Hein. C'était vraiment. En plus, tu Il a récupères Florenzi derrière. été. Tu récupères Il Florenzi derrière, qui est un très bon a. défenseur. Florenzi, c'est un très bon joueur. Après. Il avait bien commencé quand il arrivait à Paris et après il s'est totalement perdu. Au début, il marquait que des buts incroyables et Ouais, même. bah à Paris, il tentait des centres en Ligue des Champions, ça finissait dans le but contre Ouais, Anderlecht, bah ouais, c'est ça. mais. Donc c'est ça. Il était bon contre les petits, mais après, dès qu'il fallait faire un centre en repli défensif, il n'y avait plus personne. Donc nous, le Florenzi Après. à la place de Meunier, c'est un putain de blow-up. Hein. Florenzi. Meunier, ouais, c'était avant la Coupe du Monde 2018, ça allait encore, je trouvais. C'était pas dégueu, mais je sais pas après la Coupe du Monde ce qui s'est passé. Et là, c'est devenu un joueur catastrophique quand même. Le seum. Donc, Le seum. Le seum de ouais, bah l'élimination, ouais, il quoi. est peut-être perdu là. Comme Thibaut Courtois qui nous a encore fait une déclaration Ouais, mais qui lui, c'était incroyable. méritait plus que Lukaku d'avoir le titre de meilleur joueur belge de l'année. Quand tu vois la saison de Lukaku à l'Inter,
Je pense que Lukaku Ouais, mérite amplement sa récompense. Hein. Mais bon. On va passer sur le match du PSG, du coup. Une question rapide comme ça. Comment on explique la baisse de niveau des Parisiens en match retour de Ligue des Champions? Parce que ça fait quelques années que dès qu'il y a un match retour, là, si Messi marque le penalty, etc., le Barça peut peut-être aller chercher une prolongation ou une qualif. Hein. j'ai l'impression, après moi je peux parler que je suis de Paris, mais là Paris a essayé de gérer le score, vu qu'il y avait 4-1 à l'aller. Mais c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Paris, il y a un match aller qui est exceptionnel et un match retour qui est moins bien. L'année dernière c'était l'inverse, mais avec Paris en ce moment, Ligue des Champions, c'est un match exceptionnel Oui, comme il y a et eu un contre un Manchester ou mauvais contre le match après. Barça. Comme il y avait déjà eu contre Manchester ou le Barça, où tu te fais soulever au retour, Ouais, alors c'est qu'à ça. l'aller, tu fais un match incroyable. Après, on va pas se mentir, sans Navas, le Barça, ils ont leur nouvelle remontada. Bah oui, c'est ça. Si Messi rate pas son Navas, péno, il a fait un etc., match oui. exceptionnel. Navas, c'est tout meilleur gardien du monde, mais avec Neuer, je pense. Après, Neuer, c'est une classe au-dessus, mais sans Navas, mais je pense, mec, avec un Areola, avec un Trapp, Bon, ben Trapp, c'était il y a une fini, hein. nouvelle remontada. Hein. Même Buffon, hein, on l'avait vu contre Ouais, Manchester. Hein. Buffon. Buffon, Buffon il contre rentre sur. Manchester, c'est vrai que d'habitude Buffon il peut nous sortir, mais ce match-là, c'est vrai que ça a été très compliqué pour lui. Ouais. Buffon, quand il est arrivé au PSG, je m'attendais à ce qu'il fasse une comme Navas. Bon, certes, non, il a quand même 40 ans, donc une quarantaine d'années. Donc, mais bon, avec Navas, on est très bien quand même. Mais on est content de l'avoir. Et putain, je crois que Navas, c'est le seul joueur du PSG qui a réussi à faire l'unanimité de tous les supporters. 15 millions d'euros, on rappelle, le prix de son transfert. C'est un braquage total. 15 millions d'euros pour un Et gardien chez qui Zidane. pour un gardien qui avait gagné 3 Ligues des Champions en 3 ans et 4 en 5 ans, mais bon. Jamais éliminé en phase d'aller-retour avec le Real. Ah oui, c'est incroyable Navas. Les autres sur cette prestation des Parisiens, parce qu'on a vu un Paredes qui au milieu de terrain était perdu. Les deux seuls vraiment que j'ai noté où ça a été un très gros match, ça a été Marquinhos et Navas. Hein. Les autres, ça a été fantomatique. Est-ce que je sais pas ce qu'a le PSG avec les matchs retour en Ligue des Champions. Je sais pas si quelqu'un peut m'éclairer sur ça, mais vas-y Cédric. Je pense aussi qu'il y a quand même un manque d'expérience de la part de certains joueurs au niveau de la Ligue des Champions. Il y en a très peu qui sont allés assez loin. Quand je vois leur effectif, à part Navas, peut-être Bernat, etc. Mais à part ça, c'est pas. Neymar, même s'il n'était pas Toi sur le aussi, terrain, t'as oui. Neymar Bien qui a sûr. gagné une avec le Barça. Mais quand on voit le milieu de terrain, la bonne défense de Paris, c'est. Il y a quand même des joueurs qui sont pas allés excessivement loin en Ligue des Champions et qui ont peut-être un manque d'expérience et qui se relâchent assez facilement au match aller quand tout se passe bien. Parce que bon, face à un Barça, c'est pas le Barça de Guardiola en face quand même. Ouais, c'est sûr que après à voir avec le temps comment ça peut faire, mais bon, sûr que c'est pas foufou. À voir au niveau En des soi, quarts-de-finale aussi. ils ont raté que la première mi-temps, parce qu'en deuxième, paraît plutôt bien géré. On n'a pas vu trouver le Barcelone. Et sur le match aller, ouais, ils ont gagné. Enfin, on va dire qu'ils ont gagné 3 mi-temps sur 4, mais il y a une mi-temps, ils auraient pu s'en prendre 4. C'est ça le Si truc. Dembélé n'avait pas tiré à chaque fois sur Navas, donc. Et si Messi rate pas son péno, parce que ça peut tout Ouais. changer en fait sur le match. Navas, vraiment, il Après, Paris a. a failli. Ils n'ont pas été aidés par certains joueurs. Hein. Kurzawa a été catastrophique. Bon, ben ça, c'est Gay, Kurzawa, bon, voilà, c'est. il fait du Gay, quoi. Il n'y a pas de machin. Et puis, il y a Kurzawa, plein de c'est fautes. Kurzawa, on le sait. Hein. On se souvient, Moi, je suis pas fan de c'était Paredes non plus. contre Dortmund l'année dernière où il fait 2-3 dribbles, après il te fait une transversale en touche. Ouais. Bah, Ah Ça, oui, c'est. bah, je l'ai encore la vidéo sur le téléphone. Voilà. Donc Mais ça, c'est. quand tu vois qu'un joueur fait ça, frérot, tu te dis qu'il a pas le niveau pour jouer dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais cette action-là, c'est un reflet sur sa carrière. Deux, trois trucs bien et après, plus rien. Ouais, ça va, à Monaco il était pas mauvais, mais depuis qu'il est à Paris, c'est plus compliqué. Hein. Mais de toute façon, ça doit être la priorité cet été. Hein. C'est pas Messi ou Ronaldo, hein. C'est des latéraux. Ah, Parce c'est que là, sûr. tu peux pas aller gagner avec des champions avec On a besoin de Kurzawa, latéraux. Bernat, Florenzi. Et encore Florenzi, je suis même pas sûr que ton achat soit levé. Mais. Après, Diallo a fait une bonne entrée aussi. Mais on a besoin, ouais, d'un vrai latéral gauche de métier. Hein. Moi, Ouais, Diallo, perso, c'est c'est un mon bon genre de choses. défenseur. J'aimerais Mais il y avait un Alex Telles à aller chercher cet été et finalement ils l'ont laissé partir à Manchester. Hein. Ah, moi j'aimerais bien un Guerrero, mais bon, je Parce pense pas que que. Telles, pour le prix qu'il a été vendu à Manchester, Paris aurait pu se l'offrir hein, parce que c'était 15 millions Ah hein, ou 17 millions. Hein. ouais, c'est. Et surtout Paris, c'est jamais compris. Alors tant mieux pour nous. Hein. Mais Guerrero, quand il était parti déjà à Dortmund à 12 millions, j'ai pas compris pourquoi Paris l'avait pas acheté.
Incroyable, Et Guerrero. puis ça C'était fait suite à l'Euro quasi tous 2016, les non? étés. C'était à l'Euro 2016, ouais. Bah, il avait fait un Euro de fou aussi. Oui, de toute Ouais. façon, je le suis depuis qu'il est à Lorient, vu que j'habitais à Lorient, du coup, je vois pas mal de matchs. Et c'est vrai que enfin, je suis assez content de son niveau qu'il a maintenant, quoi. Il a tellement progressé, il est tellement fort que. Après, il C'est a le meilleur évolué. joueur de Dortmund depuis 2 ans. Ouais. Il a Dans le évolué même jeu, qu'il on était un voit des la bons signés au différence. PSG. Quand enfin, il était encore Ah à bah oui, Dortmund, mais c'était. là. Mais tous les étés, Ouais, il est c'était envoyé du côté du la. PSG. Hein. Tous les étés, t'as la C'était il y rumeur. a 2 ans. Bah, moi, je le Ah, veux c'était pas, il y il a est deux revenu à étés, c'était Paris. vraiment proche. Hein. Mais C'est parce que c'est le maintenant. moment où il y a eu Ça a plus être 12 Enrique millions qui par était contre. Hein. en. Ah, en Théo Henrique, oui. En Il y a eu directeur sportif. Enrique en directeur sportif, ça a failli se faire, mais ensuite il y a Leonardo qui est arrivé et ça s'est arrêté après. Et après, on a pris Bernat. Sinon, ouais, il aurait signé. Ouais. Non mais c'est vrai que Guerrero maintenant ça sera plus 12 millions par contre pour le PSG. Là il va falloir manquer un Ouais. peu. Parce que vu les saisons qu'il fait à Dortmund, il va falloir manquer hein, côté Paris Saint-Germain. Pour Florenzi, t'as des infos ou pas Giacomo sur une option d'achat ou tu sais pas du tout? Les médias n'en parlent pas. En Italie, il n'y a pas d'infos. Les insiders de la Roma, j'en vois pas sortir d'infos là-dessus. Donc, je pense que ça se fera vraiment fin de saison, quoi. On laisse chacun se concentrer sur les objectifs. La Roma est passée en Ligue Europa. Elle chasse une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Paris, le titre, c'est loin d'être fait. La Ligue des Champions, bah, c'est l'objectif aussi. Donc, chaque partie, de son côté. Puis en fin de saison, on se retrouve pour discuter. Ok, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Une question sur Messi, prestation mitigée entre ce top but qui nous met cette frappe de 30 mètres, etc. et le pénalty raté. Où vous voyez Messi la saison prochaine? Est-ce qu'il va prolonger au Barça avec cette nouvelle direction qui arrive avec le nouveau président? Est-ce qu'il va partir à Paris? Est-ce qu'il va partir à City, rejoindre Guardiola? Où est-ce que vous le voyez la saison prochaine? Giacomo, tu le vois où Messi la saison prochaine? Au Barça. Esteban? Pareil, Barça. Cédric? Pareil, j'arrive pas à le voir en dehors du Barça. Ben? Ah, je le vois pas quitter le Barça, c'est. Après, les rumeurs l'envoient partout, mais je le vois pas quitter le Barça, franchement. Parce que là, il y a une rumeur avec Agüero qui aurait accepté de signer, vu qu'il est en fin de contrat, accepté de signer gratuitement. Donc ça ferait la paire argentine. Et en plus, Messi, on sait que Messi et Agüero s'entendent très bien. Avec le fils d'Agüero, ouais, le fils d'Agüero, Messi c'est son parrain, un truc comme ça. Donc c'est deux joueurs qui s'entendent bien. Donc est-ce que ça va aider justement le Barça à garder Messi? Mais est-ce que c'est le bon choix pour le Barça de garder Messi? Et pas de reconstruire autour de je sais pas, de Young, etc. Vous en pensez quoi sur ça? Est-ce que le bon choix du Barça de garder Messi aujourd'hui? Moi je Messi pense. peut. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, craque pour toi, Vas-y, excuse-moi. Cédric. Bah alors, moi je pense que quand même, le pied du Barça c'est Messi. Mais je pense aussi qu'il faut commencer un peu à s'habituer un peu sans Messi. Parce que Messi il n'est pas éternel. Il y aura bien une fois où il devra partir. Et je pense qu'ils doivent un peu s'adapter à partir d'un moment donné, quoi. Parce que je pense que la transition sinon elle sera trop compliquée sans Messi. Et ça va faire un peu comme le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo. Ou le Real Bon, depuis qu'il n'est pas. le Real a essayé quand même de remplacer Ronaldo en recrutant Hazard, Oui. sauf que ça n'a pas marché. Messi, je sais pas qui vont vouloir recruter à la place. Ils ont tenté de recruter des Coutinho et des Griezmann, ça n'a jamais marché. Et ça, je pense que Ouais, c'est c'était dans sûr. le but d'une transition justement post-Messi. Mais je pense quoi que le Barça il doit essayer au mieux de digérer ce départ en un peu le peut-être en alternant avec quelques joueurs. Mais au vu de la situation actuelle, je pense que ça va être un peu plus compliqué. J'ai ce discours-là il y a quelques années, mais quand je vois ça, je me dis que ça devient vraiment chaud pour eux. Giacomo, tu voulais Ouais, t'exprimer? moi je suis complètement d'accord avec Cédric. Il faut garder Messi parce que en quelques années, ils ont perdu ce qui faisait leur identité, hein, Puyol, Iniesta, Xavi. Bon, après, c'est sur d'autres postes, mais. Il faut aussi y aller petit à petit sur de la reconstruction tout en gardant Messi. Parce que l'aura qu'il a, elle est incommensurable. C'est une marque hein, en fait. Encore aujourd'hui, si les gens ils venaient pas voir Puyol, ils venaient voir Messi. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et rien que pour ça, il faut quand même continuer à le garder, je pense.
Et de lui-même, je pense qu'il arrêtera, hein. De toute façon, c'est un compétiteur, mais il a conscience de ses limites et il stoppera quand il jugera que c'est bon. Et toujours au Barça, je pense. Ok, les Ben, t'as quelque chose à dire ou... Non, je pense qu'il a tout dit. Esteban aussi, t'es d'accord avec tout le monde? Ouais, tout a été dit. Ok, ben on va fermer cette page en passant du coup au match de Liverpool, donc qui s'impose 2-0 et qui se qualifie pour les quarts de finale aussi. Un Liverpool à deux visages. Comment on peut expliquer la différence de ce Liverpool en Ligue des Champions et ce Liverpool en Première Ligue qui est un peu plus compliqué en ce moment, Esteban? Je pense que vu que c'est notre compétition, ils jouent plus différemment, ils sont peut-être plus relâchés, même si ça reste avec des champions. Vu qu'en première ligue, ils sont dans une spirale négative, c'était plus difficile pour eux justement de reprendre confiance. Puis ils enchaînent les matchs. Tandis qu'en Ligue des Champions, ça fait un peu une sorte de bulle d'air pour eux. Donc, après, voilà, c'était contre Leipzig qui a du mal en Ligue des Champions, je trouve. Qui a pas le même jeu qu'en Bundesliga. Donc, c'est bien pour Liverpool, ça leur donne de la confiance. J'espère que ça va leur servir pour la première ligne. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ça? Sur ce match de Liverpool? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Ils ont eu quand même deux mi-temps totalement différentes. On voit qu'en première mi-temps, ils ont eu quand même beaucoup de problèmes de réalisme. Ils auraient pu gagner 2-0, mais ils peuvent en mettre 4-5 à Leipzig s'ils sont réalistes. Il y a Jota qui a raté une... Il y a Jota qui rate une action. Pour moi, je ne vois pas comment il peut rater ça. Et après, il y a eu Mané Salah qu'on beaucoup raté aussi. Mais après, je pense que la Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent faire un peu à l'image de Tottenham en leur finale, où ils font un excellent parcours en Ligue des Champions, alors que la première ligue, c'était vraiment très compliqué. Je pense qu'ils peuvent faire un Tottenham. Je pense comme l'a dit Esteban, ça fait un bulle d'air dans leur saison catastrophique en première ligue. Et je pense qu'ils peuvent faire une comme à la Tottenham quand ils sont arrivés en finale Contre pour Liverpool. éclipser hein, pour éclipser un peu leur saison en première ligue qui est catastrophique au vu des saisons qu'ils ont fait. C'est vrai que là ils sont largués du top 4 et s'ils arrivent justement peut-être que la Ligue des Champions serait la solution pour se requalifier la saison prochaine. Parce que là ça va être compliqué de raccrocher le top 4 avec des équipes comme Manchester United, Leicester qui roulent bien. On va passer à la Ligue Europa du coup et on va passer par le match de ces huitièmes de finale, la grosse affiche entre Manchester et le Milan. 1-1 à la fin du match, le but à la 92e de Simon Kjær, le défenseur central du Milan qui vient marquer ce but. Mais deux buts ont été refusés à Milan en début de match, Leao et Kessié. Bon, on va reparler justement du but de Kessié. Cette main... Enfin, cette pseudo-main, j'ai envie de dire, parce que c'est très compliqué à juger. Giacomo, ce match, comment tu l'as vécu? Ah, j'étais excité parce que c'est un parfum de compétition européenne plus plus. Genre ça, c'est Ah, une affiche c'est une de finale de Ligue des champion. Champions déjà 10 ans, quoi. C'est clair. J'étais aussi un peu inquiet parce qu'on avait énormément d'absents. Bon, j'ai vu que du côté de Manu c'était pareil, donc bon an mal an, ça équilibrait. Après, ouais, on a eu un super match, hein, clairement. Le but refusé, bon, moi je suis pas pour le VAR en fait, faut savoir, et ça synthétise tout ce que j'aime pas dans le VAR, c'est-à-dire que aucun joueur sur le terrain ne demande, enfin ne réclame une main, personne n'a vu quoi que ce soit, et même au VAR, on a à la fin, on n'arrive pas à se faire une idée quoi. Et c'est pas un scandale, je veux dire, s'il y a ce but, parce que la main, elle me semble quand même bien collée au corps. Même si ça touche, est-ce que ça change beaucoup de choses? Ben, je suis pas convaincu. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est qu'au final, on a un résultat plutôt logique. Donc, malgré cette polémique, ben, le jeu n'en a pas souffert. Tu ressors avec un 1-1 de Manchester, tout est à jouer au match retour. C'est un super résultat, hein. Ouais, c'est un résultat favorable pour l'équipe qui joue à l'extérieur. 1-1
en huitième de finale aller. Les autres, ceux qui ont vu le match, je sais pas si tout le monde a vu le match ici, qui est diffusé en clair, ce match de Ligue Europa sur RMC Story. Si quelqu'un a vu le match et a envie de parler un peu de ce qui s'est passé dans ce match, n'hésitez pas. Pour être honnête, j'ai pas regardé le match, donc je vais pas m'exprimer. Esteban, Cédric, quelqu'un a vu le match? Ouais, j'ai vu le résumé, moi, les problèmes de la VAR, c'est tout. Ah, c'est vrai que ce but, bon, autant le hors-jeu de Léao, voilà, mais cette main, j'ai du mal à comprendre. Il y a eu quand même, statistiquement parlant, une nette domination du Milan, hein, au nombre de frappes, etc. Est-ce que les hommes de Pioli méritaient mieux pour toi, Giacomo? Est-ce que le Milan méritait mieux sur ce match? Ouais, objectivement, je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher la victoire. Maintenant, le but, l'ouverture du score a un peu coupé les pattes aux joueurs et ça a fait le coaching de Pioli a fait du bien. Donc, ouais, comme je disais au début, le résultat est somme toute assez logique. J'ai été impressionné par notre milieu de terrain qui a vraiment répondu à l'impact mis par les Mancuniens, qui a réduit quasiment au silence la créativité des joueurs comme McTominay, Mkhitaryan, même s'il a donné la passe décisive, mais il a donné qu'une passe décisive. Non, mais je dis n'importe quoi, c'est pas Bruno Mkhitaryan, Fernandes. c'est Fernandes, n'importe quoi. Mais vous m'aviez compris. Oui. Parce que Fernandes, ouais, lui pour le coup, il sort une saison de porc aussi. Ah bah, il fait. Réussir à le limiter. Déjà, quand il était au Sporting, on s'en souvient, du côté du Portugal, ça faisait mal Bruno Fernandes, hein. Que ce soit contre le Vitória ou contre Porto, il faisait mal Ouais, lui. puis pour continuer sur les joueurs lusophones, Léon a été n'était pas à son poste en pointe, hein. De toute façon on sait que c'est pas son poste, mais Dalot a fait j'ai un bon aimé match. sur Dalot, pas mal, vraiment bien. Pour remplacer un Théo Et Hernandez qui est étincelant, il en faut quoi. ouais, ça c'est super bien d'avoir deux latéraux gauche performants. Alors, on a un titulaire et un remplaçant, mais on sait que le remplaçant peut compter dessus. Et Léan, en fin de match, il va quand même chercher le corner en étant excentré, comme quoi c'est un peu son poste, ailier. Et il va chercher le corner qui donne l'égalisation. Donc, super content pour un joueur que j'apprécie humainement et sportivement. Et musicalement peut-être aussi, non? Ah, c'est pas dans mes compétences là. On va parler vite fait de Amad Diallo, donc le joueur de Manchester qui marque seulement 4 minutes après son entrée en jeu d'une tête. Je sais même pas comment il a réussi à la sortir. Magnifique passe dans le dos de la défense de Fernandes. On voit sur cette action-là la vista du Portugais et cette tête retournée derrière, par-dessus Donnarumma. Est-ce que pour vous c'est un futur crack ce Amad Diallo? Giacomo? Ben, De ce que je tu as vais vu être un peu dur. de ce que tu as vu Il a. sur la deuxième mi-temps quoi. Ouais. Son but est exceptionnel. Après, en fait, c'est tout. Parce que dans le match, il perd beaucoup trop de ballons, bien trop facilement. Comme il disait Frédéric Piquionne sur RMC Story, il jouait trop en dilettante. Et ça me déçoit de la part d'un jeune joueur qui a sa chance en Ligue Europa. Il devrait être mort de faim, quoi. Sachant qu'il joue que 45 minutes, il devrait être très appliqué. Là, les passes n'étaient pas appuyées, il sentait pas le défenseur venir. Enfin, que tu te fasses manger physiquement à 18 ans, c'est une chose, mais bah, pour moi, il doit faire plus. Et comme souvent on dit, une équipe, elle a tendance à marquer trop tôt dans un match et elle se relâche. Ben là, je crois que Diallo, il marqué trop tôt. Par contre, il a du football plein les pieds, hein. C'est pas le souci. Hein. Et comme on a vu bien évidemment le jeu de passe incroyable de Bruno Fernandes. Juste un petit truc sur Kier qui a fait un match incroyable, qui a réussi à empêcher Anthony Martial dans toutes ses tentatives d'aller chercher le but pour Manchester, et ce but bien évidemment en fin de match. Est-ce que c'est vraiment lui maintenant le défenseur indiscutable au Milan, même devant Romagnoli? Oui, pour moi, c'est sûr que la place de titulaire dans la charnière, elle se joue entre Tomori et Romagnoli. Parce que Romagnoli, son début d'année était mauvais. Et il a été piqué parce qu'il a perdu son brassard sur quelques matchs, comme il était remplaçant. Et d'un autre côté, Tomori a été vraiment bon. Donc,
pense que c'est bien aussi, comme je disais tout à l'heure, sur le côté gauche, de pouvoir compter sur un remplaçant, parce que ça pousse le titulaire. Bah là, c'est pareil. Ça pousse Romagnoli à se remettre en question. En plus, c'est notre capitaine, donc il sait que derrière Donnarumma peut clairement assurer ce rôle. Et content pour Kier, parce que même si c'est pas ce qu'on lui demande, il était quand même plutôt malchanceux. Je crois qu'il avait touché 3 fois les montants depuis son arrivée au Milan. Et là, enfin, il marque, donc ça montre toute sa grinta et sa combativité qui ne fait jamais défaut. On va vite fait faire le tour des autres matchs. Donc l'Ajax, le Villarreal, la Roma, Arsenal, Tottenham s'imposent tranquillement hein, dans leur match. Grenade qui surprend toujours autant, encore une victoire pour Grenade qui fait un bon petit parcours. Le Slavia et les Rangers se neutralisent. Donc les favoris sont en route vers les quarts de finale. Qui est selon vous le favori de cette compétition aujourd'hui, Giacomo? Qui est pour toi le favori de cette Ligue Europa aujourd'hui? Je vais peut-être vous surprendre, je vais dire la Roma. Ok. Benjamin? Ah Enfin, vas-y, vas-y, avec non, vas-y, l'expérience vas-y. d'un Fonseca, il a fait quand même des beaux parcours avec le Shakhtar, si je ne m'abuse. Même avec Porto, Donc, il avait fait une saison où il n'avait pas été trop mauvais en Coupe d'Europe. aussi. Donc, moi, c'est une équipe qui me semble bâtie pour aller loin. Benjamin, tu vois qui Pour allait. moi, les deux favoris s'affrontent. Pour moi, les deux favoris, c'est le Milan et United. Donc On est pour toi, pas. celui qui remporte ce match sera le favori de cette compétition. Pour moi, ouais, celui qui remporte ce match est le favori de la Ligue Europa. Après, je vois Esteban? bien aussi Tottenham faire Vas-y, un vas-y. bon truc. Ok, Esteban? Pareil, pour moi, ce sera le vainqueur de Manchester Milan. Et puis, je rajouterai en outsider les Rangers, Steven Gerrard, qui réalise une grosse saison en Écosse. Déjà Malgré champion. quelques matchs, ouais, ça joue plutôt pas mal. Ouais. Après, à voir contre des grosses équipes, mais c'est pas mal à voir jouer, quoi. Cédric, qui tu placerais en favori? Moi, j'aurais tendance à dire Arsenal, parce qu'en championnat, ils sont quand même un peu. Ils n'ont plus rien à jouer. Et puis, du coup, je pense qu'ils peuvent se concentrer du coup plus sur l'Europa League. Mais je pense aussi Grenade qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont quand même sorti Naples. Ils ont cherché Bah, Napoli, oui. c'est pas rien. Et ils ont de sacrés joueurs, je trouve, qui sont assez performants. Arsenal, ouais, qui a sorti aussi le Benfica, on sait, en 16e, et là qui s'impose 3-1 en Grèce. C'est pas facile de s'imposer face à l'Olympiakos, qui est une très belle équipe. Donc oui, je suis d'accord avec le choix. Moi, si je devais choisir, j'opterais quand même pour Tottenham, parce que si le duo Kane-Son on a envie, ça peut aller très très loin parce qu'on sait que ce duo peut faire très mal, que ce soit en première ligue ou en Ligue Europa. On va passer justement du coup à la première ligue pour continuer. Et on va commencer par Liverpool, qui est donc, on en a parlé vite fait, mais sur une série de 6 défaites d'affilée à domicile, faute aux blessures ou fin de cycle pour vous de cette équipe de Liverpool aujourd'hui? Je pense un peu des deux. Hein. Je pense que quand tu enchaînes trois saisons avec 98 et 99 points, quand tu enchaînes deux saisons, je crois que c'est deux saisons qui font, parce que à chaque fois, je suis pas sûr. Oui, c'est les deux dernières, ouais, où ils font Je 98 pense que et... quand tu fais une saison à 90 et 99 points, à force, tu as une usure et même, on voit très bien que je pense que la blessure de Van Dijk leur a fait très très mal en défense. Pendant moi, très longtemps, là, ils ont joué sans vraiment de défenseur central au poste. Donc, Ouais, ils ont essayé des Anderson, des Fabinho, enfin ils ont un peu tout essayé. Je crois qu'il y a eu 20 charnières différentes cette saison à Liverpool. Ça je pense montre... que quand même il y a eu Jota qui est la blessure Jota aussi qui a fait un excellent début chez les Reds. Je pense que c'est je pense une fin de cycle parce que enchaîner les saisons comme ça à force je pense il y a l'usure des joueurs et même quand tu perds un joueur comme Van Dijk il y a toujours difficile après de compenser. Klopp qui est en plus pressenti pour reprendre le flambeau de l'Allemagne après Joachim Löw, après 7 euros. C'est Moi, peut-être aussi à prendre en compte. je pense que même le départ de Klopp pourrait leur faire du bien, mais je pense que ça pourrait aussi, puisque Klopp c'est un excellent entraîneur, mais je sais pas comment dire ça, mais je pense que même le départ de Klopp ça pourrait les affecter aussi, parce que je trouve qu'il est très bien à Liverpool. Esteban, toi qui est en Bundes et qui a peut-être vu un peu ces infos du coup de la Mannschaft avec ce départ de Joachim Löw après l'Euro, les pressentis, bon, c'est tous les grands coachs allemands, Hansi Flick, Jürgen Klopp, Nagelsmann, Thomas Tuchel. Tu penses que c'est qui le plus à même peut-être de reprendre cette sélection après?
Je trouve que Klopp, ça irait pas mal pour la National Manchester, surtout que depuis l'Euro 2016, il n'y a plus rien, que ce soit dans le jeu ou dans les compétitions. La Coupe du Monde, ils sont passés au travers. Aux éliminatoires, égal, mais dans le jeu, c'est vraiment nul. Puis les compos officielles de Joachim Löw, elles sont vraiment douteuses. Et puis le fait de ne pas prendre Hummels, Boateng, Et Müller. même Thomas Müller, alors que enfin, les trois sont bons. Encore Boateng, bon, ça dépend. C'est quand il a envie. Mais je pense que Klopp, ouais, ça peut être le sélectionneur idéal. Même si on dit Flick, ça peut être bien aussi, mais je ne suis pas sûr qu'il quitte le Bayern tout de suite, même s'il a déjà tout gagné en une saison. Mais ouais, je pense que ce serait bien pour les deux, hein, parce que je pense qu'il a enfin, la carrière et le statut pour prendre une équipe nationale. Donc Flick avait été ça adjoint peut être bien, ouais, de pour Joachim l'Allemagne. Löw, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et après ça a parlé en gros du coup si Klopp reprenait le flambeau de la sélection, Nagelsmann pourrait justement rejoindre Liverpool. C'est ce que j'ai vu Ouais. moi personnellement. Même si, ouais, après on parle souvent de Nagelsmann aussi au Bayern, mais vu que Flick pour l'instant est là, on verra pas tout de suite. Mais oui, Nagelsmann et Liverpool, ça peut être bien après avoir s'il n'est pas trop jeune encore pour commencer. Mais en Allemagne, on fait confiance aux jeunes entraîneurs et ça fonctionne plutôt bien. Donc, C'est vrai que à voir Nagelsmann, Liverpool. c'est vrai que Nagelsmann est très très jeune. On va parler vite fait du derby qu'il y a eu la semaine dernière, vu qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. On va en parler vite fait. Donc Manchester is red, comme la phrase qui a été scandée par les supporters des Red Devils. Les Red Devils donc, ils s'imposent à l'Etihad grâce à Bruno Fernandes et Luke Shaw, auteur d'une très très bonne saison pour l'instant, ce qui me fait un peu chier parce que du coup Alex Telles est un peu relégué au poste de remplaçant sur ce poste de latéral gauche et arrête la série de 22 victoires d'affilée des Citizens. Est-ce que pour vous, les hommes de Solskjaer pourront-ils titiller ceux de Guardiola la saison prochaine pour le titre? Si ça continue à progresser comme ça le fait depuis le début de la saison, enfin depuis l'arrivée de Fernandes. Je pense que oui, il faudrait juste qu'ils fassent autre chose que des 0-0 contre les gros, parce qu'on a bien vu que, à part contre City, quand ils jouaient des cadors en Angleterre, ils faisaient 0-0. Je pense que s'ils font les mêmes matchs contre les gros qu'ils ont fait contre City, ils peuvent largement titiller les Citizens de Guardiola. Giacomo. Je pense que ça dépend beaucoup de City, en fait, parce que ils ont montré qu'en tout cas en championnat, ils avaient réussi à passer la domination de Liverpool, à s'adapter à ça, et notamment avec des recrutements judicieux en défense. Et si Manchester City continue de s'améliorer, pour moi, l'écart est trop important à combler pour United. Par contre, si ne serait-ce que City stagne et que United progresse, bah là, ils seront à égalité. Et ça pourra nous relancer une super rivalité, bah, comme avec Liverpool, ou tout simplement comme quand il y avait Mancini et Ferguson en 2012, je crois, 2011-2012. C'était exceptionnel. Esteban, un petit mot sur ce retour de Manchester au haut niveau Ouais, en je pense Angleterre? qu'il pourrait passer un autre cap et se rapprocher de City, parce que l'écart, déjà, là, je trouve, il est assez élevé, comme ça a été dit, mais. Parce que je suis pas sûr que Ole ce soit suffisant pour Manchester, hein, parce que moi je me fais un peu chier en regardant une équipe. Mais je pense qu'un autre entraîneur ça servirait, parce qu'il y a un gros potentiel quand même à faire avec les joueurs qu'ils ont là. Et ça permettrait, je pense, à une équipe de se rapprocher plus de City et vraiment de jouer le titre jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la dernière journée, et pas seulement profiter des moments de faiblesse de City dans la saison, quoi. Cédric. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, parce que je trouve quand même que City, ça a énormément de ressources. Il y a certains remplaçants de City qui peuvent être titulaires indiscutables du côté de Manchester United, il n'y a aucun débat sur ça. Et j'ai du mal à voir United quand même à titiller les Citizens si City ne perd pas de leur niveau, quoi. Ok, ça marche. Plutôt mitigé, du coup, le bilan de Manchester United. Enfin, plutôt mitigé ce que vous voyez. Donc Sergio Aguero, hier, qui a marqué son premier but depuis janvier 2020, 14 mois sans marquer de but pour le Kun. Même si, bon, il y a cette stat un peu biaisée par le fait qu'il y ait eu l'arrêt des championnats l'année dernière, à peu près à cette saison. À cette saison, donc, du Covid.
Cette rumeur qu'il envoie au Barça, est-ce que vous lui accordez beaucoup d'importance? Est-ce que vous pensez que ça va se faire ou pas? Le Barça doit contenter Messi, hein, de toute façon. Et après avoir perdu un Suarez, etc., ce serait peut-être bien de retrouver un vrai numéro 9. Les autres? Après, Bah, je pense que leur seul numéro 9 là, c'est Braithwaite, parce que Griezmann, c'est pas vraiment un 9, mais c'est sûr que ce serait pas mal. Hein. c'est sûr que ça fait peur Même quand si tu te dis Agüero, que le s'ils vont seul. blesser, quoi. C'est sûr que c'est vrai que ça fait peur quand tu te dis que le Barça, leur numéro 9, c'est Braithwaite, quoi. Et après Agüero, vu que voilà, tu as souligné un peu ce fait aussi que Agüero est souvent blessé. Donc est-ce qu'il faudrait Ouais, c'est ça pas qui est. prendre. Après, Puis il à pense. quel Il âge prend. d'ailleurs Agüero, il a 32 ans, c'est ça, non? Ou 31? Bon, il doit avoir dans ces eaux-là un peu plus de la trentaine, ouais. Oui, donc les blessures, elles vont être de plus en plus récurrentes, quoi, maintenant. Donc, faut pas que ce soit leur attaquant numéro 1, quoi. Sinon, ça risque de revenir dans le même problème, quoi. Ils vont se retrouver avec Braithwaite encore titulaire, ou Messi en 9, avec des ailiers, quoi. Ok. Si je sais pas si Ben ou Cédric veut rajouter quelque chose sur cette rumeur Agüero au Barça. Je pense que même s'il serait qu'il est souvent blessé malheureusement, mais quand t'es le Barça et que t'as Braithwaite en attaque, Ça fait ça peur. fait tâche, quoi. Je pense qu'Agüero pourrait leur faire beaucoup de bien parce que Braithwaite, sans vouloir manquer de respect, bon, c'est un bon joueur, mais je sais même pas ce qu'il faut au Barça. Donc... Ouais, après Je... Braithwaite, oui. Parce que quand t'entends Braithwaite, tu vas pas tout de suite l'associer au Barça. Tu l'associes à Toulouse. Ouais, tu penses à Toulouse aussi. Ouais, Ouais, c'est à Toulouse. Et après, je pense que ça peut être un bon joueur dans un club milieu de terrain, ventre mou, en Espagne, mais pas le Barça. Je pense que Agüero ferait beaucoup mieux au Barça si on l'espère pour lui, il laisse moins. Cédric? Moi, j'ai quand même un peu du mal à le voir partir, du fait que c'est quand même le meilleur buteur d'histoire du club. Mais c'est sûr que pour le Barça, ça peut faire énormément de bien. Du fait que il leur manque quand même quelques cartes niveau offensif, notamment grâce à cause des blessures d'Ousmane Dembélé qui est souvent absent quoi. Et du coup ça c'est un peu compliqué pour eux. Il y a la blessure d'Ansu Fati, etc. aussi. Aussi. Donc on va passer Allez. justement, en parlant du Barça, on va passer à la Liga, les gars. Donc la course au titre qui est acharnée, hein. L'Atlético, donc premier avec 63 points, suit le Real avec 57 points, et troisième, le Barça avec 56 points, mais un match en moins, donc pourrait revenir à 4 points de l'Atlético en cas de victoire. Je crois qu'il joue aujourd'hui. Demain. Demain? Ok, demain. Qui voyez-vous champion cette année, Giacomo, en Liga? Moi, j'ai l'impression que c'est une non-course au titre en fait. Parce que on voit que l'Atlético, il y a un mois en arrière, avait plus de 10 points Bien. d'avance. Hein. C'est ça. Et bah moi j'ai vu le match hier de l'Atlético. Pour une fois, j'ai 0-0. regardé de la Liga. Et ouais, ça m'a laissé un drôle de goût en bouche parce que c'est une équipe, j'ai l'impression qui a pas voulu jouer en fait, qui a pris un peu par-dessus la jambe ses adversaires. Et on sait que s'il y a bien un championnat où faut pas le faire, c'est la Liga. Bon, il y a peut-être aussi la Première Ligue. Mais ils se sont fait rentrer dedans comme jamais. Et même à 11 contre 10, ils ont eu chaud. Enfin, là tout à l'heure, on parlait du VAR pour Caissier. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas pénalty. Et ils se sont réveillés sur la fin de match, ok, il y a un poteau de Suarez, il y a une gardien, j'ai oublié son nom malheureusement, qui fait un show phénoménal. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette année en Liga, ce sera celui qui perdra le moins de points qui sera champion. Pas celui qui en prendra le plus. Benjamin, toi, ton pronostic pour cette fin de saison en Liga? Ouais, je vois bien. J'aimerais bien l'Atlético, mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'ils sont moins bons et je trouve que le Real et le Barça commencent à bien revenir en Liga. Je pense que s'ils continuent à enchaîner les mauvais résultats, ils vont se faire dépasser, je pense. Mais je les vois quand même champions. Ok. Esteban? Pareil, l'Atlético pour moi, même si c'est moins bien, ça m'emmerde aussi de le dire, parce que je me suis jamais pris de plaisir à regarder l'Atlético jouer. Le Barcelone, pour moi, c'est... Enfin, je vois pas du tout gagner, même s'ils sont proches de la première place. Real, il faudrait que Benzema les sauve à chaque fois, chaque week-end. Je suis pas sûr que ça se fasse. Donc,
Donc pour moi, je mettrais quand même l'Atletico, quoi. Ok, Cédric. Alors moi, j'étais agréablement surpris, excusez-moi, du début de saison de l'Atletico, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une forte, comment dire, il lâche tout. Et je vois plus le Barça qui puisse gagner cette Liga, puisque je pense pas voir le Real Madrid. Et puis l'Atlético, ouais, ils attendent quand même ce championnat depuis 6 ans, je crois, depuis 2014. Depuis la décimale du Et Real. je pense pas que du coup ils puissent la remporter de nouveau, malheureusement pour eux, malgré ce beau début de saison. C'est vrai que c'est compliqué pour l'Atletico. Ça tournait bien, mais après leur jeu un peu trop défensif les coupe parfois et leur fait perdre des points précieux. Dans cette Liga, justement, t'en as parlé vite fait. Esteban de Benzema qui sauve le Real encore une fois de plus hier en marquant un doublé. Est-ce que pour vous c'est le meilleur numéro 9 français de tous les temps? Je sais pas si quelqu'un veut. Qui veut se Bah, lancer? Henri déjà, qui a joué 9, même s'il a joué ailier aussi, mais oui, c'est le meilleur 9 français actuellement, mais enfin, tous les temps, non, je pense pas quand même. Je mettrais qui devant lui? Après, oui, bah, si on considère quand Henri jouait numéro 9, ouais, je mets Henri devant lui. Après, Benzema arrive en deuxième place, quoi. Mais actuellement, on est d'accord que c'est le meilleur joueur français actuellement. Ah oui, Ouais. certainement. Oui. Giacomo? Après, faut qu'on s'accorde sur qu'on entend par numéro 9. Parce que pour moi, c'est une pure pointe, un numéro 9. On peut pas Ouais, vraiment c'est dire vrai que qu'Thierry Benzema est plus en Henry. 9 et même Benzema est plus en 9 et demi en soi. C'est ça. Donc moi, ma vision du numéro 9, ce serait plus sur français, hein, je parle. Ce serait plus sur du Copa ou Trezeguet. Il faut quand même, même si on n'a Giroud. jamais vu jouer Copa de notre vivant, hein, mais il a quand même en partie révolutionné le foot. Et après, dans son côté finisseur, son instinct du buteur, son placement, le geste juste, évoluer dans un championnat qui à l'époque était le meilleur au monde, bah ouais, je mettrais Trezeguet. Ok, Benjamin. Après, je pense que tout est dit. Ouais, Benzema, je pense que c'est le meilleur français actuel. Mais je pense que comme il y a eu Henry, après moi j'ai pas trop vu jouer Trezeguet et Henry, mais c'est vrai quand même c'était quand ils étaient en neuf, c'était quand même quelque chose. Donc après je pense que Benzema peut devenir le meilleur joueur français de l'histoire, mais je pense que pour l'instant ouais, je pense qu'il est deuxième, je pense. Mais c'est quand même un excellent joueur, je pense que c'est le meilleur attaquant français actuellement. En même temps, il n'y a pas trop. Malheureusement, il n'a pas trop de Ouais, il a concurrence. pas trop de concurrence, ouais, c'est Enfin, vrai. après, pour moi, Mbappé n'est pas. Enfin, Mbappé Ah, veut jouer neuf, mais pour moi, c'est un ailier. Mbappé, oui, En c'est vrai numéro qu'il est 9, en meilleur. français, il y a Lacazette et Giroud, quoi. Donc, c'est Ouais. compliqué d'aller chercher Benzema à ce niveau-là. Cédric, sur Benzema. Moi, je pense qu'honnêtement, si Benzema aurait pu être sélectionné, mais malheureusement ce n'est pas le cas, je pense qu'il l'aurait pu être. Parce que je pense qu'il manque quand même ce trophée avec l'équipe de France pour devenir le meilleur neuf de l'histoire de français, quoi. Je trouve ça assez dommage que. Ouais, c'est ce qui lui manque par rapport à un Trezeguet ou à C'est Henri, ça. quoi. C'est tout à fait ça. Ok, écoutez, Elia, on va passer du coup à la Bundes. La Bundes, donc, c'est plutôt Esteban qui va s'exprimer sur ce sujet. Haaland vs Lewandowski, duel de titans la semaine passée lors de Bayern Dortmund. Donc, victoire 4-2 du Bayern, doublé d'Haaland, triplé de Lewandowski. C'est quoi cette bataille? Ça fait combien de temps ça fait, je pense, longtemps, voire peut-être jamais qu'on a vu ça en Bundesliga, deux attaquants qui marquent autant. Peut-être plus avec l'époque des Gomez, Klose, je sais pas, etc. Mais c'est quoi cette bataille-là entre les deux? Ils se poussent l'un l'autre, en fait. C'est un peu comme Ronaldo Messi, Ouais, quoi. bah c'est ouais, bah c'était pareil quand il y avait Aubameyang à Dortmund et que Lewandowski était parti au Bayern. D'ailleurs, Lewandowski l'avait dit quand Aubameyang est parti à Arsenal qu'il allait regretter son départ parce que ça le poussait justement à être meilleur. Maintenant, il a Et Haaland. je pense que là, bah, ça fait pareil avec Haaland. Hein. Lewandowski, je crois, il est déjà à 31 ou 32 buts ou 24 matchs, n'importe quoi. Mais bah, tant mieux pour les deux, ça. Ça, justement, ça les pousse à être meilleurs à chaque match, à marquer plus de buts. Mais sûr, c'est pour le spectacle,
C'est bien pour les spectateurs et pour les matchs aussi. Après, c'est dur pour les défenseurs, du coup. C'est vrai que les deux sont intraitables. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce duel d'attaquant de numéro 9 qui est en train de se dérouler en Allemagne, pardon, et qui est assez incroyable, même s'il y a un André, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un André Silva qui essaye de se mettre entre les deux. Qui fait Ça, c'est un scène. duel incroyable. On n'a pas vu ça depuis longtemps. Je pense que même on voyait même avant les anciens Dortmund Bayern à l'Allianz Arena, genre, on voyait très bien que ça tournait des 5-1 Dortmund, 5-1 Bayern, 4-1, 4-0. Mais là, on a eu 4-2. C'est vrai que un duel comme ça fait longtemps et c'est beau à voir. Ça fait plaisir. C'est un Quand peu tu comme. regardes ça, c'est impressionnant de voir comment deux joueurs peuvent. Un duel incroyable comme ça, on n'a pas vu ça depuis que Ronaldo et Mais Messi si. s'affrontaient dans le Classico. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu l'image aussi que j'ai ressorti de ce match. C'est un peu comme Ronaldo et Messi à l'époque quand j'avais des Real Barça, quoi. Les deux marquent deux ou trois buts chacun dans le match. C'est incroyable. Cédric, un petit mot sur ce Moi, duel? j'adore la mentalité d'Haaland, puisque il y a quelques semaines, quand Mbappé avait mis un triplé face au Barça, Mais doublé il face avait à Séville. remercié. Il avait mis doublé face à Séville le lendemain. Exactement. Il avait remercié en conférence de presse que ça lui a permis de se motiver. Et j'ai l'impression que ça fait exactement pareil pour Lewandowski. Du coup, c'est un peu la mentalité à la CR7. Et franchement, pour l'avenir, ça s'annonce assez correct, quoi. Giacomo. Moi, je regrette juste une chose pour ces deux joueurs, c'est qu'ils n'aient pas la sélection qui leur permette de briller autant qu'en club. C'est sûr, parce Même qu'avec la si Pologne et Montebourg la à l'Anglais qui est Norvège, très jeune. pour la Bah voilà, Pologne et la surtout la Norvège, c'est cool. Norvège. Odegaard qui est devenu capitaine d'ailleurs de la sélection norvégienne, c'est arrivé cette semaine, le joueur d'Arsenal. D'accord. Je crains que. Enfin, je sais pas, je crains, je pense que ce sera le cas. Ça crée des Zlatan bis, quoi. Ouais, avec des joueurs qui malheureusement en sélection, Et comme vous ça, voyez, Pologne, comme. Lewandowski, il aurait pu faire quelque chose. Par exemple, lors de l'Euro 2016, mais. Par contre, pour la Norvège, ça va être plus compliqué pour Haaland. Déjà, ils vont pas faire la Coupe du Monde 2022. Parce que c'est le président de la fédération norvégienne qui a annoncé ça la semaine dernière, je crois. Ils ont des bons joueurs, mais enfin, ça me paraît compliqué. À moins qu'ils marquent 10 buts par match, mais bon, ça me paraît compliqué quand même pour la Norvège de faire quelque chose dans les compétitions officielles. Imaginez si Après. un Haaland, un Lewandowski, etc. était brésilien, français, anglais. La dinguerie que ça aurait pu être quand même. Cédric, tu voulais. Ouais, je trouve que la Norvège, c'est un peu comme l'Islande, c'est un pays au niveau du football qui se développe super bien, que chaque année ils nous sortent des Ouais, il y joueurs a le petit plus que cousin quoi. d'Haaland maintenant. Je sais pas si Oui, vous avez vu bah. le truc du petit cousin d'Haaland là qui joue en Mais Norvège, si, il qui commence. marque Ouais. 60 buts en 40 matchs. Putain, mais c'est trop cette Et famille, frère. ça s'annonce La famille. assez bon pour l'avenir, La famille ces pays Cyborg. comme ça. Là, c'est peut-être des pays qui vont se développer dans le football, des pays qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et qui pourront peut-être un peu plus se développer. Pour le reste, on va parler donc d'une équipe qui ça me peine un peu de dire ça, mais Schalke qui est déjà relégué, hein, avec seulement 10 points en 25 matchs, même si c'est un rival de Dortmund, est-ce que ça fait pas un peu bizarre de voir Schalke aussi bas au classement, enfin aussi mauvais sur le terrain, quoi? Non, je prends un peu de plaisir. Après, c'est vrai que plus avoir les derbies, ça va être quelque chose en moins qui va se passer la saison prochaine, mais ils vont revenir dans pas longtemps. De toute façon, on les recroisera. Mais voir enfin, sur le terrain, mais ils foutent rien. Hier, non, c'était hier contre Wolfsburg. Ils en prennent Je 5? regarde les 5 buts. Et c'est honteux. Alors, Mustafi, bon, j'ai rien à dire sur lui, il est déjà assez bon comme ça, mais. Est déjà C'est cramé. vrai que c'est une catastrophe, quoi. Ah ouais, mais enfin, je comprends pas. De toute façon, après, c'est aussi le recrutement. Hein. Il est pas bon. Les dirigeants font n'importe quoi. Puis sur le terrain, je crois que la différence de chaque, elle a moins 50. Donc Ouais, bon, c'est un truc de fou. il y a un mot à dire, quoi. C'est lamentable, quoi. Et Le bon, seul match bon, où en j'ai 25 matchs. Hein. parié contre Schalke, c'est le match où ils ont gagné 4-1 contre Hoffenheim. J'en peux plus. Je suis abattu. Non mais c'est un monument de Bundesliga quand même, cette équipe de Schalke, et les Ah voir. oui, c'est sûr que c'est. Ben voilà, il y a une forte rivalité, mais ça reste quand même un grand club de Bundesliga. Hein, mais c'est comme quand Hambourg est descendu en Bundesliga 2, c'était pareil, quoi.
C'est dommage de voir des dinosaures comme ça descendre en Ligue 2, mais bon. C'est aussi la faute des dirigeants de faire n'importe quoi avec leur argent et de virer aussi des entraîneurs toutes les 3 semaines, d'en prendre un autre. Enfin, ça a été mal géré donc, de toute façon, mais. On n'aura donc pas de derby de la Ruhr la saison prochaine en Bundesliga, à part miracle, hein, j'ai envie de dire, parce que là, c'est du domaine Ouais, non, là, du je crois que miracle. c'est Hein. foutu. C'est du domaine du miracle, les gars. Un petit mot sur cette équipe de Schalke, le fait de les voir aussi bas au classement. Une équipe qu'on avait il y a 4-5 ans en Coupe d'Europe, quoi. C'est un club emblématique, ça fait, c'est sûr, ça. Bon, moi, je suis quand même assez loin de la Bundesliga, mais un club emblématique de l'Allemagne qui descend, c'est sûr, ça fait toujours. Ça fait bizarre, c'est comme si en Angleterre, t'avais un United qui descendait ou un Everton. C'est vrai que même là, les derbies courent, mais ça me rappelle un derby il y a 2-3 ans, je pense que Esteban pourra confirmer la date, mais quand il y avait 4-0. 4-0 en une Ouais, en mi-temps, 2017, ouais. et après 4-4, c'est que souvent Oui, et les puis derbies même que. il y a 2 ans, en 2018, quand Dortmund jouait le titre à fond, on avait 9 points, enfin 9 points d'avance en décembre. Et au match retour, Schalke nous bousille le titre, entre guillemets, en gagnant à domicile. Donc voilà, c'est une équipe qui s'est cassée la gueule vraiment en 2 ans, quoi. Parce que justement, en 2017-2018, ils avaient fini deuxième, il me semble. Donc devant Dortmund. Et c'était encore en Ligue des Champions il y a 2 ans. Donc Non, c'est vrai que ça peut aller vite. Hein. Tu passes de la Ligue des Champions et l'année prochaine tu vas jouer contre les équipes les plus voilà. bas Heidenheim. allemandes. Ouais. Ils vont rejoindre Hambourg. À part si Hambourg monte cette saison, je ne Hambourg, sais pas. je croyais qu'ils allaient monter, mais je suis pas sûr là vu les performances. Je suis pas la Bundesliga 2 à part quand il y a des paris en jeu. Ouais. Giacomo, Chimo sur cette équipe de Schalke. Je trouve que depuis quelques années en Bundes, il y a quand même des clubs importants, historiquement, qui se cassent la figure. Le Werder, Hambourg, Schalke 04. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Je dis pas de bêtises hein, sur le Werder, on est d'accord. Ouais, là, Ouais, le ils Werder, ouais, dans les là, ils derniers. sont en train de jouer le machin, là. Ah, voilà. Ouais. Il Alors y a plein que, d'équipes aussi qui jouent le maintien en Bundesliga. Il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, côté français, on se rappelle des matchs contre l'OL, mais pas que, ils sortaient des super joueurs, enfin bref. Et je sais pas trop à quoi c'est dû, en tout cas, je me dis qu'en Bundes, il n'y a vraiment pas le choix, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur, pardon, au niveau de la gestion. C'est super exigeant et Non, tu tombes de suite. limite, vaut mieux avoir de très bons dirigeants Que de très bons que joueurs. de très bons joueurs. Et ouais, parce que Bah, tout le tu monde bosse regardes. bien, hein. Bah, y a un exemple type, c'est le Hertha Berlin. Tu regardes leur Ouais. effectif, ils ont quand même une bonne équipe. Ça joue avec Et ils sont 16e. Gendouzi, Khedira. Non, mais ils ont des bons joueurs. Bon, après, Piontek Khedira, aussi, non? après, il joue sous. Piontek, Comment? là. Y a Piontek aussi là-bas, non? Ouais, Piontek est là-bas. Après, Khedira, il est encore blessé. De toute façon, il a ses soucis respiratoires depuis 6 ans. Je veux dire, le Hertha Berlin. Enfin, il y a un bon effectif, ils dépensent je sais pas combien, mais ils sont 16e, enfin, ils sont même pas sûrs de se maintenir. Je crois qu'ils sont à égalité avec Mayence, mais c'est. T'as pas le droit à l'erreur en Bundesliga parce que tout le monde peut battre tout le monde, c'est un championnat très serré. Et puis il y a énormément de clubs qui jouent le maintien chaque année. Donc. Après, c'est à eux de bien gérer, de toute façon, tout le long de la saison, il faut être régulier. Ouais. On va parler des deux belles surprises de cette moitié de saison, on va dire. Un peu plus de Bundesliga, c'est Francfort et Wolfsburg, tous deux dans le top 4. Avec d'un côté un André Silva qui marque souvent, de l'autre côté un Weghorst aussi qui marque souvent. Est-ce que ces deux équipes peuvent prétendre aller chercher cette qualif en Ligue des Champions? Alors, Wolfsburg, je pense que oui, parce que début de saison, bon, je me suis dit, ouais, ils vont se casser la gueule, mais au final, non, ils sont hyper réguliers, et puis défensivement, c'est très solide, ils ont pris 21 buts, je crois, ou 20, comme ça. Donc, je pense que Wolfsburg va garder la troisième place. Francfort, je suis pas sûr, je pense qu'à un moment donné, ils vont avoir un coup de moins bien, et puis là, de toute façon, ils jouent contre Leipzig. Ouais, je Et compte il n'y a Leipzig que aujourd'hui, un ouais. point d'écart avec Dortmund. Et de toute façon, je crois qu'ils jouent contre les concurrents directs. Donc là, ils jouent Leipzig, ils ont encore Wolfsburg à jouer. La première semaine d'avril, je crois, ils jouent Dortmund. Donc pour moi, Francfort, je pense pas qu'ils iront en Ligue des Champions. Par contre, oui, ils peuvent assurer la cinquième place.
Et donc la Ligue Europa, eux qui n'ont pas de compétition européenne cette saison. Vite fait, Cédric, en parlant d'André Silva, vu que tu l'as suivi quand il était aussi à Porto comme moi, est-ce que ça toi aussi ça te fait plaisir de le revoir à un bon niveau après ces passages un peu compliqués, que ce soit à Milan ou à Séville? Ah mais ça c'est sûr et certain parce que quand il a signé au Milan et puis à Séville, on espérait juste une seule chose, c'est qu'il commence à planter. Et maintenant le voir à Francfort dans un club qui est bien positionné en Bundesliga où il est l'une des pièces maîtresses du jeu de Francfort, ça fait énormément plaisir. Et pourtant Luka Jovic a signé et il arrive quand même à le mettre sur le banc. Ils ont quand même essayé de faire une doublette André Silva et Jovic. Bon, et ça s'est fini sur un match nul, mais pourquoi pas voir ces deux joueurs ensemble côte à côte. Jovic qui a déclaré en plus qu'il voulait plus retourner au Real Madrid, de ce que j'ai vu. Après, je sais pas si c'était une fake news ou quoi, mais j'ai vu passer ça sur les réseaux, que Jovic ne voulait pas retourner au Real Madrid et rester à Francfort. Ouais, ce serait étonnant. Giacomo, toi aussi, toi qui as vu André Silva aussi sous tes couleurs, le voir à un tel niveau? Bah, content parce que c'est un joueur qui a du ballon, hein. Juste voilà, le manque de confiance, le fait d'être arrivé dans un projet qui tenait pas debout avec la gestion des propriétaires chinois à l'époque. On nous disait bah voilà, les dirigeants ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, mais ça a été fait un peu en dépit du bon sens et bah il a été victime collatérale de ça. Manque de confiance, terrible aussi. Mais le talent ça se perd pas et quand tu évolues dans une ligue aussi véloce que la Bundes. Ça fait plaisir de le voir empiler les buts. Benjamin, toi de ton côté, qui l'a vu marquer des buts hein, contre le Vitória. Maintenant, le voir titiller les grands buteurs dans les grands championnats. Après, ouais, c'est sûr, ça fait plaisir parce que ce joueur-là, je l'ai toujours bien aimé. Et même, c'est vrai qu'il a eu des moments difficiles au Milan. Mais après, le revoir enchaîner but sur but, ça fait plaisir. Et bon, j'ai toujours une pensée pour l'Euro vu que ça arrive quand même à grands pas et j'espère qu'il sera comme ça. C'est vrai que le Portugal, après le départ de Pauleta, on a eu beaucoup de problèmes à retrouver un grand attaquant de pointe. Ah oui, Donc, on les a eu, les Postiga, les Hugo les Hugo Almeida, Almeida. les compagnies. Et s'il continue comme ça, franchement, j'espère qu'il fera ce qu'il fait à l'Eintracht. Non, c'est ça, cet été à l'Euro, ça nous ferait beaucoup de bien. Ça fait plaisir de voir un joueur. Parce on sait très bien ce qu'il est capable, mais là, il nous montre le joueur qu'il est. Et ça fait plaisir. J'espère qu'il va rester très longtemps comme ça et que ça va lui donner confiance et même peut-être viser un peu plus haut que l'Eintracht, qui est un bon club allemand. Et lui qui est pisté par l'Atlético et Manchester United. Et les Pourquoi? Francfort en demande 30 millions. Francfort en demande 30 millions. On va passer à... Vas-y, 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 finis, finis. Je pense qu'il a large sa place dans ces deux clubs-là, mais peut-être continuer à l'Eintracht et se faire beaucoup de confiance parce que c'est quand même une classe au-dessus, l'Atlético et United. L'Atlético, il retrouvera un certain João Félix. Et à Manchester, un certain Alex Telles. Avec qui il a passé quelques mois, la seule année où il était là, et d'autres joueurs comme Bruno Fernandes qu'il a côtoyé en sélection, etc. On va passer à la Serie A, et donc un peu la bombe de cette semaine en Serie A, c'est la Juve qui serait prête à se séparer de Cristiano Ronaldo pour 30 millions d'euros. Giacomo, c'est sorti sur les tabloïds italiens, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette rumeur de départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus? Bah ouais, 30 millions, c'est pas le chiffre que je retiens. Celui que j'ai envie de garder en tête, c'est 90 millions. Savoir l'impact que ça a sur les comptes de la Juve Avec le avec son salaire. salaire. C'est ça. Moi, comme je disais, je pense qu'il va rester parce que il a envie d'aller au. Enfin, lui, il a envie d'aller au bout des choses avec la Juve. Mais je crois que si ce serait la bonne décision de s'en séparer en fait parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, ils n'arrivent pas à passer ce cap. Alors c'est pas Cristiano le souci, mais ça permettrait de vraiment partir sur une bonne année de reconstruction. En marge du direct, on a un peu parlé de NBA et on sait ce que c'est que de reconstruire. Ça peut prendre des années, il n'y a pas de temps à perdre, et dans le foot, surtout dans ces clubs-là,
C'est sûr qu'ils n'ont pas de mois, d'années à perdre, comme ils courent après la Ligue des Champions, parce que la Serie A, ok, tous les ans ils vont la jouer, mais la Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné depuis 96, quoi. Donc c'est assez terrible pour un club comme la Juve. Et on voit que recruter le meilleur joueur du monde, voire de l'histoire, ça, c'est pas tout, quoi. Benjamin, Et dans une ah, année, vas-y. pardon, je termine juste, dans une période où les résultats financiers, les recettes plongent, ça a beau être Cristiano, il n'y a vraiment pas de petite économie, quoi. Benjamin, sur ce départ de Ronaldo, sur cette vente, ce prix Bah, de c'est. 30 millions qui est le même que qu'André Silva. Enfin, ce qui me choque, c'est quand même, bon, on parle de. Bon, certes, c'est plus le grand Ronaldo, mais quand tu entends Cristiano Ronaldo et tu entends les rumeurs à 30 millions, c'est sûr, ça fait bizarre quand tu sais que le Real l'a acheté moins de 100 millions, 90 millions. Et les joueurs comme Ronaldo, un joueur comme Ronaldo à ses débuts, maintenant, c'est dans les 300-400 millions maintenant, ça fait bizarre. Mais je pense que oui, Ronaldo à la Juve, ça n'était pas la réussite auquel on attendait. Et je pense que même avec le Covid, ça a beaucoup touché les finances de tous les grands clubs du monde. Je pense que la Juve, même si c'est Ronaldo, s'ils doivent s'en séparer, bah ils doivent le faire. Et c'est sûr que même Ronaldo, niveau salaire, ça, avec le Covid, ça, c'est sûr, C'est 30 ça millions va par mal. an, non, son salaire à la Juve, Giacomo. Ouais. C'est Sûr, ça. ça pèse beaucoup sur les finances quand avec la pandémie mondiale qu'on vit, a beaucoup touché toutes les finances de tous les clubs. Je pense que c'est surtout le financier qui va parler, mais c'est vrai que Ronaldo à la Juve, ça n'a pas été une grande réussite malheureusement pour lui. Esteban? Bah, je pense pareil, hein. Je pense qu'il y a un blocage Cristiano, enfin c'est pas de sa faute, hein, mais je pense que la Juve doit s'en séparer. Ils n'ont certainement pas gagné la Serie A cette année. Avec des champions, c'est foutu. Là, c'est la Coupe d'Italie. Donc je pense qu'ils doivent reconstruire sans Ronaldo l'année prochaine, hein, et puis repartir sur de nouvelles bases pour enfin, déjà regagner la Serie A, puis vraiment gagner leur objectif qui est avec des champions. Puis après, oui, bah Ronaldo, je sais pas où il pourrait aller, soit un retour au Real ou un retour à Manchester United. Donc Peut-être le après, Paris le chiffre 30 Saint-Germain. Je pense que le millions, Paris, je pense que le mais. Paris Saint-Germain sera dessus, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, Paris, oui, bah après, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée pour Paris d'acheter Ronaldo ou même de prendre Messi cet été, quoi. Il y a d'autres priorités, surtout qu'ils ont déjà Neymar et Mbappé. Enfin, même si Mbappé, on sait pas encore où il va aller, mais. Imagine. Mais je suis pas sûr, ouais, pour Paris, c'est une bonne idée. Cédric, est-ce que tu as un petit mot sur le cas Ronaldo? Moi, ce qui m'inquiète, ce sera la Juve. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans Ronaldo? Il me semble qu'avant le but de Chiesa face à Porto, c'est Ronaldo qui avait inscrit tous les buts en phase finale de Ligue des Champions Depuis le match Fiji. pendant 3 ans, je crois, 2 ans. Il avait marqué Et il a marqué les 3 buts contre l'Atlético, les 2 buts contre l'Ajax et les 2 buts contre Lyon. ouais, du coup, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire quoi, sans Ronaldo, sachant qu'avec Ronaldo, c'est pas déjà évident. Mais alors sans, ouais. Ce sera dur pour eux, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui militent sur le fait que la Juve est meilleure sans Ronaldo. Que la Juve était meilleure avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Oui, après, avant l'arrivée de Ronaldo, c'était pas pareil. Il y avait Il y avait des Carlos Pogba, Tevez, c'est ça, Carlos il y avait Tevez, Marquisio au Pogba. milieu de terrain. C'est vrai que le milieu de terrain, quand tu passes il y a 5-6 ans avec Marquisio, etc., et que maintenant t'as Arthur Rabiot, c'est sûr que c'est pas la même chose. T'avais Vidal, enfin, le milieu de terrain était très Vidal très était fort, fort. tout ça, quand même, maintenant. Vidal était très très fort. Puis même la défense, hein. Ah oui. La défense, bah, c'est un peu la même qu'aujourd'hui avec Chiellini, Bonucci, etc., sauf que c'était un peu plus jeune, quoi. À part de Liert, le reste, c'est vraiment très faible. Ouais, c'est vrai que Chiellini, même Demiral, hein. Demiral, on l'a vu contre Porto, c'est compliqué, Demiral, hein. C'est. Après, je pense Agile que sa aussi. blessure, ouais, ça va pas aider. Non, mais il provoque un penalty. Enfin, c'est lui qui provoque le penalty. Le coup franc, non, c'est McKennie, le coup franc qui. Après avoir pris un petit pont qui a détruit Sergio Oliveira. L'Inter, donc, qui est lancé vers le titre. Avec donc une équipe somme toute séduisante, avec cette doublette d'attaque Romelu Lukaku Lautaro Martinez, le retour de l'Inter sur le toit de l'Italie, on va dire.
Giacomo, toi qui es supporter de l'autre équipe du Milan, ça doit faire un peu chier de voir la Juve en gagner 9 d'affilée et que derrière ce soit l'Inter qui reprenne les rênes. Ouais, c'est clair. Après, c'est une équipe bâtie pour le titre, hein. À la différence du Milan, il y a beaucoup plus d'expérience. C'est Il vrai y a des qu'avec les investissements Kolarov qui et ont été tout. un peu. Voilà, l'année dernière, ils sont entre guillemets pas passés trop loin. Donc cette année, ils étaient beaucoup plus favoris que le Milan. On mettait l'Inter et la Juve, hein, en début de saison. Là, je vois, ils sont en train de gagner. Contre le Torino, sur le papier, c'est facile, mais je regarde le match, là, c'est loin d'être le cas. Donc ils ont vraiment beaucoup de caractère. Et surtout, ce qui fonctionne depuis le début de l'année civile, c'est la défense. C'est vraiment un mur. Lundi, ils jouaient contre l'Atalanta, deuxième meilleure attaque derrière l'Inter, et pas de but inscrit par l'Atalanta. Ça veut tout dire. La défense, Donc ça, ils prennent. c'est Skriniar et De Vrij. De Vrij. Et Abastone derrière qui est très bon aussi, qui peut. Il y a Bastoni, il y a Hakimi, tout à l'heure on en parlait. À Bon, c'est vrai qu'il est droite. plutôt piston droit, ouais. Kolarov sur le Et côté gauche. c'est ça. Et du coup, on sait qu'en Italie, hein, l'équipe qui est championne, entre guillemets, c'est celle qui a la meilleure défense. Donc là, ils ont vraiment réussi à trouver cet équilibre-là. En effet, ils foncent vers le titre, j'ai envie de dire, logiquement. Avec un Donovic aussi incroyable, on l'a vu le dernier épisode de King Foot Live, j'étais avec Yo, donc qui est avec toi sur la page et qui on regardait le match en même temps, donc le derby entre le Milan Inter et Handanovic Ah qui oui. avait fait un match de fou furieux. Handanovic encore assez incroyable, hein. C'est vrai On que. parle beaucoup de Donnarumma, hein, 14 clean sheets, mais à égalité avec Handanovic, qui reste quand même super compétitif en Italie. Le pire, c'est cette sélection-là de la Slovénie avec Oblak et Handanovic. T'as peut-être deux des meilleurs gardiens du monde dans la même sélection. C'est un peu. Pour un pays un peu de seconde zone, avoir deux des meilleurs gardiens du monde, c'est vrai que c'est assez incroyable. Benjamin, un petit mot sur cette équipe de l'Inter? Après, je suis pas trop le football italien, je regarde juste qu'à résumer, mais c'est vrai que l'Inter, ils ont une très bonne équipe, ils jouent très bien au football, donc je pense qu'ils vont aller chercher le titre. Et en plus, ils n'ont plus de Coupe d'Europe à jouer. Enfin, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe à jouer Ah, depuis les poules. Là, ils c'est n'ont vrai que que la le Juve, championnat à jouer, maintenant, donc la Juve n'avait plus maintenant, mais le Milan, par exemple, joue encore la Ligue Europa. Et ça puise des forces, on le sait, surtout sur cette saison assez particulière. je pense que ouais, vu qu'ils ont maintenant pratiquement plus que le championnat à jouer, je pense qu'ils vont aller chercher le titre. Esteban? Très sûr. Oui, pour moi, pareil, ouais, ils ont une équipe bâtie pour gagner le titre, hein, donc ils vont y aller. Ils avaient un peu de mal en début de saison, à l'image de certains joueurs, bah, comme Hakimi d'ailleurs. Début de saison, il avait du mal, il me semble, dans l'équipe, mais maintenant je trouve qu'ils ont trouvé un bon équilibre en défense et en attaque. Et puis le duo, de toute façon, Lautaro-Lukaku, ça aide forcément. Donc pour moi, ils foncent droit vers le titre des Serie A. Cédric, un petit mot sur cette équipe de l'Inter Milan. Bah, ils ont réussi à profiter d'un relâchement du Milan, qui me fait penser un petit peu à l'Atlético tout de même, parce qu'ils étaient quand même sur une bonne série de victoires. Ah, le Milan, ce qui les a tués aussi, c'est le Ouais. fait qu'ils ont joué, je crois, un match cette saison avec le 11 type, c'était contre Naples. Et après, il y a toujours des absents quelque part, où il manque Zlatan, où il manque Truc, où il manque ci. Maintenant Bennacer, etc. C'est vrai que le Milan a pas été épargné par ça. Ouais, du coup, c'est ce qui a un petit peu fait en sorte que l'Inter puisse avoir. Comment dire, le fait d'être leader, quoi, avec quand même pas mal de points d'avance. Ok, les gars, on va passer à la Ligue 1. Voilà, notre bonne vieille Ligue 1. Bon vieux championnat de France. On va commencer par l'Olympique de Marseille avec Sampaoli. Donc, deux victoires en deux matchs pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est rassurant pour les Marseillais d'avoir avec cette nouvelle ce nouveau coach sur le banc après Villas-Boas et après l'intérim qui a eu ces quelques dernières semaines, donc l'ancien coach du Chili qui reste sur deux victoires en deux matchs. Je vais commencer par toi, Benjamin, pour ça. Je sais pas si je suis un peu, mais voilà, l'OM qui reste sur deux victoires du coup avec ce nouveau coach, Sampaoli. Après, moi je suis fan du PSG, donc globalement, je leur souhaite des mauvais résultats, mais c'est sûr que là, avec ce qui se passe avec Villas-Boas et les 13 défaites d'affilée avec des champions, le record qu'ils ont tapé,
Ça fait un gros coup au moral sur Marseille et je pense que même l'arrivée de Sampaoli va leur faire du bien, ou bien qu'ils ont enchaîné deux victoires, ce qu'ils avaient pu réussir à faire avec Villas-Boas depuis très longtemps. Je pense que de toute façon, là cette saison-là, je pense qu'ils c'est ils vont aller, ça va être très compliqué pour eux d'aller chercher l'Europe vu ce qu'ils ont fait, mais je pense que ce sera le Marseille de Sampaoli, il faudra plus le juger la saison prochaine que cette année. Parce que cette année, je pense que ils ont très mal commencé et je pense que l'Europe va être très compliqué à aller chercher malgré leur match en retard. Je sais pas si ils ont tous fait, mais je pense que pour juger Sampaoli, il faudra l'année prochaine, mais là il commence très bien en tout cas avec Marseille. Cédric, un petit mot sur l'Olympique de Marseille, donc après ce passage Villas-Boas. Moi je pense que Sampaoli peut leur faire que du bien. Après, à voir, est-ce que ça va pas faire un peu comme Villas-Boas, un début de saison parfait, voire une saison plutôt pas mal. Marseille qui est Et pour puis. l'instant, juste pour le truc, Marseille est pour l'instant qualifié en Ligue Europa en étant cinquième. Ouais, et puis à voir, est-ce que ça va faire comme Boas, comme je disais, du coup, du fait que la prochaine saison, est-ce que ça va toujours tenir? Après, bon, c'est que le début, il a quand même plus ou moins des bons joueurs, des jeunes aussi. Donc je vois pas. Qu'est-ce qui peut leur en empêcher d'avoir cette qualification? Ouais, je pense que ça peut être que du positif, que du mieux. Ok, Giacomo, petit mot sur cette équipe de l'Olympique de Marseille. Bah, je pense que l'intérim a été positif pour calmer l'ambiance, l'environnement, en tout cas au niveau technique. Maintenant, faut aussi voir les deux victoires sous Sampaoli. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le dénouement, en fait. C'est de voir des victoires en fin de match, avec des gars qui se battent jusqu'au bout, qui baissent pas les bras, qui sont pas perdus. Alors certes, je pense que le côté huis clos peut jouer, parce qu'on sait que le Vélodrome peut être intimidant, tout ça. Mais déjà, il a amené ça, Sampaoli. Cette hargne, l'envie de ne jamais se rendre. Ok, l'échantillon est faible, c'est sur deux matchs, mais c'est faut voir d'où vient l'OM en fait. Et s'il peut bâtir là-dessus pour bien terminer la saison et construire une bonne intersaison cet été, sera déjà ça de gagner, ouais. C'est un coach un peu comme les Marseillais ont aimé, surtout le passage de Marcelo Bielsa. C'est un peu dans le même style. Ces Sud-Américains qui jouent beaucoup sur la grinta, un peu comme Simeone aussi à l'Atlético. Ça peut leur faire du bien. Esteban, toi, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de Sampaoli du côté de l'Olympique de Marseille? Pour certains joueurs, je pense que ça va leur faire du bien d'avoir un coach qui leur rentre dedans. Hein. Je pense à Thauvin ou même Payet. Puis on va surtout le juger dans le contenu. Parce que même l'année dernière, si Marseille s'est qualifié en Ligue des Champions, deuxième partie de saison, à mon avis, si la saison n'était pas arrêtée, je pense pas qu'ils. Je pense que c'était pas. Enfin, ils auraient fini quatrième. Et dans le contenu, c'était pas non plus exceptionnel. Après, il faut voir les joueurs aussi, bien évidemment, mais je pense que voilà, ça leur fait du bien déjà de prendre 6 points de match. Je ne sais pas s'ils arriveront à se qualifier, parce qu'il y a des équipes qui sont plus régulières devant, même si c'est des petites équipes, hein, genre Metz par exemple. Mais on jugera surtout l'année prochaine avec un nouvel effectif et dans le contenu aussi des matchs. Mais je pense de toute façon que ça peut être que positif d'avoir Sampaoli à l'OM. Hein. Que ce soit pour les supporters d'ailleurs, je pense qu'ils vont l'aimer comme ils aimaient Bielsa. Ok, on va parler vite fait de ce match avant-hier. Je crois que c'était le match nul de Lyon face à Reims qui perd donc des points dans cette course au titre avec le Paris Saint-Germain et donc le LOSC. Qui voyez-vous champion? Je vais vous poser la même question qu'en Espagne, vu que c'est aussi un championnat assez serré. Qui voyez-vous champion à la fin de saison en Ligue 1? On va commencer par Esteban. Tiens, allez. Qui tu vois champion entre ces trois équipes qui sont quasi Si sûrs d'être Rudy sur le Garcia podium. se décide de mettre Maxence Caqueret titulaire, je vois l'Olympique Lyonnais champion, quoi. Mais sinon, pour moi, sera Lille. Okay, Lille de Christophe Galtier. Cédric. Moi, je vois directement Paris. Je pense pas que sur la durée, Lille ou Lyon puissent faire la différence, parce que Paris, ça a quand même des ressources que ces clubs-là n'ont pas au niveau des joueurs. Même s'ils jouent quand même la Ligue des Champions, je pense que ce sera malheureusement trop dur pour eux, malgré cette belle saison de leur part.
Ok. Bon, je pense que Benjamin a ta réponse, mais est-ce que tu vois ton club du PSG aller chercher ce titre avec cette équipe de Lille qui joue aussi très bien au football? Moi, je les vois bien. Moi, je vois Paris champion direct. Après, vu que je suis fan, je suis moins objectif. Mais après, c'est sûr que Paris, on a un meilleur effectif, même si Lille a un très bon effectif et Lyon aussi. Après, on voit bien que Lyon, il perd des points contre des clubs qui ne devraient pas perdre. On voit contre Reims, j'ai pas vu le match, mais je pense que contre Reims, normalement, ils ont largement rien de gagné. Et même après Paris, cette année, on a eu beaucoup de mal contre les gros. On a perdu le premier Classico, et même contre Lyon, on perd. Lille ont fait match nul, mais après quand on voit le match, Paris aurait pu gagner aussi. Mais je pense que moi je vois Paris, mais si on n'est pas champion, c'est sûr ce sera Lille. Mais parce que je vois pas Lyon dépasser ni nous ni Lille. Mais pour moi, ce sera Paris avec l'effectif qu'on a et même les joueurs ont fait un pacte avec Pochettino pour tout gagner. Donc je pense que même si on va essayer d'aller plus loin en Ligue des Champions, je nous vois champion quand même. Ok, Giacomo. Comme la saison 2013-2014, je crois, qui était vraiment pas mal, bah, d'ailleurs avec Bielsa à l'OM, où voilà, il y avait plusieurs équipes qui pouvaient contester le titre au Paris Saint-Germain. Au final, quand ça compte, l'effectif fait la différence, et je pense que ce sera encore le Paris Saint-Germain. Mais c'est sympa quand même de voir que ouais, il y a toujours un championnat de France en Ligue 1 qui se joue. Ouais, c'est vrai que depuis Monaco. À part Monaco, il y a avec les Mbappé, Falcao, etc. C'est vrai que ça fait longtemps que le Paris Saint-Germain déroule un peu sur cette Ligue 1. Pour l'instant, donc Lille, premier avec 62 points, et qui joue aujourd'hui face à Monaco, qui est quatrième. Le PSG qui reçoit Nantes, ce qui devrait no logiquement, sauf surprise, bien se passer pour les Parisiens, et qui pourrait donc prendre 3 points d'avance sur Lyon, qui a fait match nul, comme on l'a dit, face à Reims, avec un but de Kadewere à la 91e. Lyon qui était pas loin de perdre 3 points sur la tête du championnat. Il y a Lyon PSG, il me semble, le week-end prochain. Ouais, c'est le prochain Je crois. match. Ouais, c'est ça. Lyon PSG la semaine prochaine. Que Paris va enchaîner la Nantes après. Ah ouais, en Attention, il plus, y a la Coupe de alors il y a France. Ah oui, il y a y a Lille deux PSG fois. Après, il y a Nantes, la trêve PSG et Nantes, je crois Lyon qu'on va PSG, faire après c'est PSG Lyon-Lille Lille. ou un des deux. PSG Lille après. Ça sera La PSG, journée d'après. Lyon-PSG. Ça va être un beau Je pense parcours. que On va voir, c'est là que je pense que c'est là si. que si le PSG gagne les deux matchs. Si on gagne les deux matchs, on est champion, et je pense que Par contre, si ça perd contre Lille, c'est compliqué. si Lille ou bas, ils seront champions, et si Lyon bat Paris, je pense que Lyon pourra faire quelque chose. Mais moi, je vois si Paris gagne pas les deux matchs, ils seront pas champions, mais si on gagne les deux matchs, Paris sera champion. Et je pense que si Lille bat Paris, c'est sûr, ils seront champions, parce que Paris, on aura pris un coup psychologique, et Lille aura un bon coup psychologique, mais je vois vraiment Paris gagner les deux matchs, et en tout cas, j'espère qu'on va gagner les deux matchs. Parce que là, il reste 9 journées pour quasi toutes les équipes de Ligue 1, sauf Paris, Lille, Nantes et Monaco, à qui il reste 10 journées, vu que la journée n'a pas encore été jouée aujourd'hui. Ça va être ce soir les matchs donc du PSG et de Lille à suivre pour donc ce championnat. On va passer du coup à la dernière rubrique. Après, on passera sur les petites vidéos, les petites recommandations, comme on a fait la dernière fois. La Liga NOS, du coup, avec le Sporting encore. Hier, grâce à la réussite, enfin le Sporting qui a la réussite du champion encore avec une victoire, avec un but marqué à la 81e minute. Je crois que c'est le 7e ou 8e match que le Sporting remporte dans les dernières minutes. Le Sporting va être champion, on peut le dire, Benjamin. Ouais, je pense que le Sporting cette année, ils vont être champions. Ils sont très solides. Quand tu penses qu'ils vont perdre, ou ils nul, ils te marquent un but juste dans les fins. Tu te rends compte, je pense que cette année, le titre va être à eux, et même ils le méritent en vue de la saison. Je pense que je vois pas le Sporting s'écrouler. Je vois pas le Sporting s'écrouler. En plus, ils sont encore en Europa League ou pas? Je suis pas Non, sûr. non, ils ont jamais été en Europa League, ils se sont fait sortir en qualif. Ouais, bah, je pense que tout est pour eux, tout roule pour eux, et il n'y aura rien qui va les empêcher d'être champions. Je les vois pas s'écrouler comme a pu faire Braga quand ils ont fait être champions, ou Ou comme même, je crois que c'était Benfica, Liverpool il y a 2 ans qui avait fait avec City, où ils avaient pris ou points d'avance Benfica sur l'année Porto, dernière je crois. aussi. Benfica l'année dernière, ou Porto il y a 2 ans, qui avait Donc 7 ouais, points je les d'avance vois. et qui ont Le lâché. Sporting cette année, c'est très solide, je les vois pas s'écrouler. Je pense que le titre leur tend les bras. Cédric. Je suis totalement d'accord. Je vois pas une autre équipe que le Sporting avec autant de points d'écart remporter ce championnat.
C'est une première depuis quand même pas mal d'années. Et 19 puis ans. le Sporting a envie de ce titre. Donc ça change un peu de Porto Benfica qui remporte systématiquement ce championnat. Ça fait 19 ans que le Sporting n'avait pas remporté, donc 19 ans que c'est Porto et Benfica qui se passent ce titre de champion chaque année. Si je dis pas de conneries, le dernier hors Sporting, hors pardon, Benfica Porto qui a remporté, c'est Boavista, non? Ouais, Boavista, l'année juste avant le Sporting, donc il y a 20 ans, c'était en 2001. C'était en 2001 la victoire de Magnifique Boavista en championnat. Et avant ça, avant Boavista, c'était Belenenses dans les années 60 qui avait réussi à aller chercher un championnat. incroyable. Ouais, que Boavista et Belenenses qui ont réussi à être champions, sinon il n'y a que Porto Sporting Benfica Braga. Sporting. Porto Benfica Ah, Sporting. Braga ça, il faut mettre. qui n'a jamais été Oui, champion. Guimarães non c'est un lac. plus. Enfin, pas tous les gros clubs portugais, mis à part les trois gros. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire. Je sais pas si vous suivez beaucoup. Je pense pas le championnat portugais, Esteban et Giacomo. Mais voilà, ça s'annonce bon pour le Sporting, en tout cas cette fin de saison. J'ai une question un peu visée sur toi, Benjamin. C'est cette lutte avec Passos de Ferreira pour la qualif en Europa. 4 points, je crois, c'est par les deux équipes, ou si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ouais, il y en a. 6 points, 6 points, pardon. 6 points, c'est par les deux Ouais, ça, équipes. c'est qui prend. Ouais. Guimarães joue dans 1 heure et quart face à Gil Vicente. Passos se déplace à Porto ce soir. Guimarães peut revenir à 3 points ce soir. Ah ouais, là, on peut largement à 3 points. Je pense que Gil Vicente, c'est grave à notre portée. Et je pense que Porto, en tout cas, je compte sur eux pour battre le Passos, mais. C'est sûr que le Vitória, là, avec l'effectif qu'on a avec Valera, Quaresma, Edwards et Espounian qui est en train de nous faire une saison exceptionnelle, on a de large niveau pour être au moins en Europa League. Et le problème, c'est qu'on a perdu trop de points bêtement. Après le dernier match contre Braga, bon, bah, c'est Braga, c'est une classe au-dessus cette année, ils sont deuxième. Mais donc, on va sur le Passos où on se prend un début trop facilement. Et je pense que même. Il y a un joueur qui pourrait nous faire du bien, qui est un peu le chouchou de tous les Vitorieux, c'est Nicolas Janvier qui ne le fait pas beaucoup jouer. Qui, à chaque fois qu'il est là, il fait des excellents matchs. Et je pense que le Vitoria, on peut être avec l'effectif qu'on a, on peut aller chercher cette cinquième place, voire même la quatrième. Mais on a perdu trop point bête et c'est pour ça qu'on est si bas dans le classement. Ok les gars, ben on va s'arrêter là. On va juste passer la petite dernière truc qu'on fait dans ces lives. En gros, chacun nous donne un petit joueur ou un petit coup de cœur et on regarde du coup une vidéo de ce joueur sur le live. Je vais juste vous mettre mon écran sur le truc et chacun va me donner un joueur ou quoi, où on va pouvoir regarder une petite vidéo, un petit truc sur un coup de cœur ou un joueur que vous aimez particulièrement. On va commencer par Cédric, lui qui va nous parler un peu des jeunes de l'équipe B du FC Porto et aussi de l'équipe A. On sait qu'il y a pas mal de jeunes dans cette équipe du FC Porto, même si ils sont pas souvent titulaires avec l'équipe première. Toi, c'est quel joueur qui te fait le plus rêver, ton coup de cœur, on va dire, dans ces équipes, que ce soit FC Porto ou autre? Moi, j'aurais plus tendance à dire Diogo Leite. Malheureusement, lorsqu'on sait ça, on a été clément avec les jeunes. Malheureusement, il n'a pas répondu énormément présent, mais il a beaucoup de perspectives d'avenir et j'ai fort confiance en lui. Et j'espère honnêtement qu'il pourra se dévoiler encore un peu plus au fil des années à venir. Défenseur central du coup qui joue du côté du FC Porto qui est donc en équipe A mais pas titulaire à chaque match le défenseur du FC Porto. Toi Esteban aussi Benjamin qui l'a vu jouer, t'en penses quoi de ce joueur? C'est un très bon joueur. Je pense que c'est un prometteur. Je pense qu'il va devenir très vite un. Je pense qu'il va pouvoir s'imposer à Porto. Je pense que c'est un très bon joueur et qui va devenir un très bon de la Liga, je pense. Qui va s'imposer comme une référence, je pense. Pep qui a d'ailleurs déclaré, c'était la saison dernière, que c'était le meilleur défenseur du championnat en Liga NOS et qu'il avait le potentiel pour devenir incontestable aussi en sélection.
Qu'est-ce que toi, Benjamin, Cédric, tu penses qu'il lui manque justement à ce joueur pour vraiment s'imposer dans ce 11 du FC Porto? Parce que il Honnêtement, était titulaire avant l'arrivée de Militao, par exemple, la saison dernière. honnêtement, je pense qu'il manque très peu au niveau des relances. Il sait ce qu'il fait, il sait se s'imposer au niveau, il sait être le patron de la défense. Il manque très très peu, mais je pense qu'au fil des années, il lui manque aussi la confiance du coach, parce qu'il est quand même préféré. Il y a Malang Sarr qui est préféré à Jupiler. Malheureusement, je comprends pas trop ce choix, parce que Malang Sarr non plus, c'est pas très très fou quoi. Chaque match, je suis assez déçu de ses prestations. Et en plus, Mais il est alors que prêté. Jupiler, Et en plus, il est comment? prêté. En plus, Malang Sarr est prêté. Il va quitter le club à Oui, la fin de la saison. tout à fait. Du coup, je comprends pas trop ce choix de la part de Conceição. Mais ouais, je pense qu'il manque beaucoup de confiance pour de la part du coach, quoi. Parce que il a eu une chance, mais Sergio Conceição a laissé cette chance à tout le monde. Et du coup, je pense qu'ils ont pas, ils ont pas, ils ont des automatismes qui sont pas présents. Et ça a tout foiré, quoi. Moi, je l'avais trouvé très intéressant, notamment quand Pep était blessé justement cette saison et qu'il avait pris justement cette place de défenseur central gauche aux côtés de Chancel Mbemba. Je l'avais trouvé très intéressant, Dugoulet. Mais après, bon, c'est vrai que la charnière en place est compliquée à bouger entre le Portugais et le Congolais, qui sont indiscutables dans cette équipe. Ouais, c'est sûr que là, après, je pense qu'avec le temps, je pense que tout pourra s'arranger au niveau de sa place. Voilà son but, justement, juste avant l'arrivée de Militao face à Bernéens en championnat. Je m'en souviens parce que j'étais au stade. Ok, donc Dugoulet, à suivre côté Cédric. Esteban, toi, un joueur Dortmund ou hors Dortmund, hein, que tu as envie de nous présenter un peu plus. Je vais pas dire Guerreiro parce qu'on connaît tous, mais je vais plus prendre Moukoko, le jeune de Dortmund de 16 ans qui a marqué hier. Troisième but en Bundesliga déjà pour lui. Et je crois que c'est le joueur qui a marqué le plus de buts en Bundesliga à Dortmund derrière Sancho et Haaland cette saison. Mais ouais, c'est déjà fou déjà à son âge ce qu'il fait. Et puis j'espère qu'il continuera comme ça et on va le voir de plus en plus jouer. Donc, Une petite vidéo déjà, de je regardais pas mal de matchs de lui avec la deuxième équipe ou en U19. Et c'est vrai qu'il est impressionnant, que ce soit physiquement ou techniquement. Hein. Hier, il a joué quoi 10 minutes, un quart d'heure. Mais on voit direct, il a le ballon, il part vers l'avant et enfin vers l'intérieur souvent avec son pied. Et c'est vrai que même l'état d'esprit est irréprochable aussi hein, sur le terrain. Et combatif. Franchement, c'est vraiment un joueur à suivre pour le futur de Dortmund. Et en plus, il a la nationalité allemande, il joue pour la Mannschaft. Oui, bah après ça dépend, je sais pas quel choix il va choisir, mais normalement oui, il a la nationalité allemande. Ouais. Il peut De toute choisir quel. façon, Et sinon, c'est quoi l'autre ouais. pays? Il me semble que c'est le Cameroun. Ok. Il me semble de toute façon que Yogi Löw le regarde Ouf. souvent et que. Enfin, il en parle souvent de toute façon Ouais, avec les espoirs il allemands. avec les. Ouais, il est avec les espoirs pour l'instant. Ouais. Ça, il me semble qu'il y a l'Euro U21, non? Ah, il y a l'Euro U21. Bah, Ouais, donc s'il est surclassé, à lui, il a des chances de le voir. au U21, à part s'il jouera avec les U18 ou les U19. Même les U17, hein, il pourrait jouer en U17. Vu son âge, vu qu'il a seulement 16 ans, hein, c'est ça qu'il Oui, faut se dire. Hein. Il faut se dire que ce mec n'a c'est que 16 vraiment. ans. C'est n'importe quoi à 16 ans, franchement. De toute façon, j'ai vu hier à la stade, justement, c'était le plus jeune buteur de l'histoire à enfin, avoir mis 3 buts dans les 5 gros championnats. C'est ça. Bah, il a joué le lendemain de ses 16 ans, son premier match. Parce qu'il pouvait pas jouer avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était la même semaine. Ouais. Dès qu'il a eu ses 16 ans, ils l'ont inscrit. Et il a joué. Ouais. Bah, c'était contre le Hertha Berlin, justement, à l'aller. Il était rentré à la place de Haaland. Le voit là face à avec la Mannschaft d'ailleurs. Cette technique balle au pied est incroyable aussi, hein. Oui, et puis il y a les deux pieds, hein, pied gauche, pied droit, et c'est ça. Ouais, c'est un nom à cocher, hein, surtout qu'il est encore très très jeune. Lui, c'est vraiment un mec, il a encore 20 ans de carrière devant lui, quoi. Limite. Là, ça, je suppose que c'était en Youth League, ça, contre le Barça.
Non, mais très bon joueur, très très bon joueur. Et à voir dans les prochaines années, justement, pour l'après-Haaland. Pour l'après-Haaland, Pourquoi justement. pas, ouais. Vu que je pense pas que Haaland reste encore 10 ans à Dortmund. Ouais, on va voir Une ça. saison, je pense encore. Ça, c'est Fulham, ça, en fait. Derby, je sais pas. L'Inter, tiens, en Youth League aussi. Qui est une compétition U19, du coup, qui jouait quand il avait 15 ans, quoi. À 15 ans, il jouait Ouais, avec un les peu U19. surclassé, garçon. C'est ça. Benjamin, une petite recommandation côté Guimarães ou non hein, ou... Après, moi, j'ai une recommandation, c'est Bruno Varela. Je pense que ouais, moi, j'aurais pu promouvoir pour beaucoup de joueurs du Vitória, mais moi, en tant que gardien, moi, ma philosophie, c'est vu que je suis gardien, j'essaye de en maximum valoriser les gardiens, vu que je trouve que c'est un poste qu'on minimalise beaucoup et qui est même souvent sous-coté, vraiment avec la défense. Mais Bruno Varela, pour moi, c'est vraiment un gardien qui m'a beaucoup impressionné quand il est arrivé au Vitória. Je pense que il est très serein Bon, là pour c'est une ses vidéo arrêts, quand pour ses j'étais à Benfica. relances. La vidéo c'est quand j'étais à Benfica. Encore. Et je pense que ça va être le futur au poste gardien du Vitória, du Portugal avec Anthony Lopes. Je pense qu'il pourra faire comme. Oublie pas Diogo Costa. Hein. Je pense qu'il pourra être. Je Oublie pense que pas ces trois-là Diogo vont être Costa. les trois futurs gardiens du Portugal, je pense. Je pense aussi, ouais. Ah, tiens, Je compte pense Porto. que après Rui Patricio, je pense que c'est Lopes le tueur indiscutable et peut-être après Costa et Varela seront les doublures, je pense. Il y a moyen, il y a moyen. C'est vrai que moi, le souvenir que j'ai de Varela, c'est. Je pense que Cédric partage le même. C'est quand j'étais dans le but et que Herrera met sa frappe. No Estádio da Luz. C'est le souvenir que j'ai de Bruno Varela, du coup, le gardien de cette équipe de Guimarães maintenant, qui est donc formé à Benfica, qui est passé par l'Ajax après derrière, qui était en doublure Ah, de Onana. après, on bouge pas au Nana à l'Ajax, même si là, il va sûrement être suspendu un an pour dopage. Mais... Ouais, il joue pas en Ligue Europa là. Non, je joue pas. Et l'Ajax qui quand même fait un beau parcours en Ligue Europa malgré ça. Ok, ben bah, parfait. Écoute, Bruno Varela, petit crack, même si il a déjà 20. Il a quel âge Varela maintenant? Je suis toujours en problème avec les âges, je pense qu'il va avoir 25-26, non? Ouais, dans ces eaux-là, je pense. Giacomo, côté Milan. Côté Milan, je suis impressionné par Tomori. Personnellement, c'est un joueur dont j'avais à peine entendu parler en première ligue, prometteur, tout ça, mais j'étais un peu circonspect quoi, par rapport à son arrivée, sachant que bah, les joueurs britanniques s'exportent pas beaucoup, encore moins en Italie, mais c'est un vrai bon défenseur. Ça a marché Je avec Chris pense. Smalling du côté de la Bah Roma. voilà. Ben, ça va peut-être changer en fait. Smalling a peut-être impulsé un changement et. C'est quoi ce but? Attends, attends, attends. D'accord. Bah Rui Patricio, il a rien pu faire là. Donc ouais, je suis super content. En plus, on sait que voilà, la tactique en Italie, c'est parfois assez indigeste, voire très difficile à absorber pour les recrues. Et bah, comme je disais il y a une petite heure de cela, il est clairement dans la discussion entre qui est titulaire à côté de Kier. Et selon l'adversaire, là contre Manchester, c'était très pertinent de le titulariser. Parce qu'il est rapide et il a pu suivre Rashford, Martial dans leur déplacement. Mais c'est vrai que contre d'autres adversaires, peut-être plus expérimentés, plus rusés, des renards des surfaces, peut-être lui préférer un autre joueur. Mais en tout cas, il se bâtit une super expérience en Italie. Et ça peut être que bon pour son avenir. Hein. Là, on voit quelques interventions quand j'étais encore à Chelsea. On l'a vu par exemple avec Mohamed Salah. Non, mais t'as pas Mesut Özil aussi. Oui, Allez, je vais faire ma petite reco à moi aussi. On va rester côté FC Porto. Et moi, c'est un joueur qui est un peu mis de côté. Justement, tu vas pouvoir nous en parler, Cédric. Je pense que tu as vu du coup qui c'est. C'est Ouais. ce petit Fabio Vieira. Que je trouve aussi incroyable hein, côté FC Porto. Et malheureusement, qui a de moins en moins sa chance. Qui a été lancé la saison dernière, en fin de saison dernière, par Sergio Conceição. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce joueur, vu que tu l'as vu aussi évoluer en B et en jeune?
Bah, c'est très prometteur. C'est un garçon qui a de l'avenir avec une patte exceptionnelle. Il sait, j'ai envie de dire, il sait tout faire, quoi. Il sait être dans le jeu, tirer les coups francs. D'ailleurs, qui l'a mis, Voilà. qu'on voit actuellement. Et ouais, en plus, il a été lancé en même temps que tous les jeunes, en même temps Ouais, que les vainqueur de la XL. Vitinha, Fabio Silva, etc. Exactement, un peu en même temps. Ouais, il y a beaucoup d'avenir. Ça fait plaisir de voir ça au FC Porto. De base, on se cache derrière les achats de jeunes joueurs. Et maintenant, c'est nous qui les formons un peu plus. Très impatient de voir la suite. S'il pourrait être titulaire ce soir, moi ça m'irait. En parlant de lui qui a déjà marqué quelques buts en équipe première, on voit là le penalty face à Tonderle la saison dernière. Et d'ailleurs, qui sait peut-être le voir face en quart de finale avec la suspension de Oliveira. Qui sait peut-être qu'il pourrait laisser sa chance malgré que ce soit peut-être un peu plus compliqué. Je Parce pense que ça que quand c'est je pense que ça sera gros, je pense que ça sera gros Gitch, hein, Je pense qu'on laisse. mais j'aimerais bien. Quand c'est ça, on préfère laisser sa place à des joueurs plus expérimentés, surtout en quart. Il y en a un aussi, lui par contre ça me dégoûte vraiment, qui maintenant joue en B, alors qu'il a le niveau pour jouer. C'est Romario Barro, lui qui, on se rappelle pour ceux qui ont vu le match la saison dernière face à Benfica, et c'est lui qui nous fait gagner le match clairement, du côté FC Porto. Et le voir jouer en équipe B, ça me saoule un peu. Toi, Barro, tu en penses quoi, Cédric? Je suis du même avis que toi, mais après le souci c'est que il y a beaucoup de joueurs qui ont leur place en équipe A et malheureusement il faut essayer de les faire jouer. Du coup, autant le faire jouer en B, mais c'est sûr que c'est un énorme talent qu'on se prive d'un énorme talent quoi. Ah, c'est vrai qu'il est assez incroyable, Romario Barro, sur le terrain. Je me souviens, moi j'étais au stade justement face à Benfica. Et quelle aisance technique sur ce terrain, sur le terrain. C'est incroyable ce joueur, de son jeune âge aussi, de voir la pépite que c'est. En tout cas, à toi. Benjamin, toi qui as pu peut-être le voir un peu jouer, Romario Barro, t'en penses quoi toi de ce joueur? C'est un excellent joueur qui, l'année dernière, a fait beaucoup de bien à Porto, c'est sûr. Et même nous, je crois, il nous a fait du mal aussi, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que un joueur comme ça en équipe B, c'est sûr, c'est un choix discutable. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en équipe B, comme Claudio Ramos aussi, hein. Par exemple, Aussi. je sais pas s'il a joué aujourd'hui Ramos, mais Non, c'est Silva. voilà, il y a eu Tony Martinez aussi qui a marqué d'ailleurs en B, le match qu'il a fait en B. Donc Marcano aussi, Marcano, ouais, mais Marcano c'était qui pour revient en blessure. se ouais, mais Et il il s'est s'est reblessé. reblessé, ouais, il vient de se reblesser. Donc voilà les gars, pour cet épisode, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter vous de votre côté. Si quelqu'un a un petit truc à rajouter, je ne sais pas, n'hésitez pas. C'est toujours un truc à rajouter, c'est juste plus considérer les gardiens dans le monde du foot. C'est un gardien qui parle, mais c'est vrai que après, là j'ai vu le joueur de la semaine en Ligue des Champions, c'est Haaland. Bon, c'est ultra mérité, mais je pense que Navas méritait aussi vu le match qu'il a fait. Marchésine aussi. Oui, Marchesín a fait aussi un gros match, donc. Mais Navas était quand même au. Après, je pense que Navas était quand même au-dessus du match de Marchesín. Même s'il a fait un très bon match. Moi, c'est tout ce que j'ai. Alors, Giacomo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison? Une victoire finale en Ligue Europa, une qualif en Ligue des Champions, en restant peut-être deuxième? Les deux, mon capitaine. Ouais, Bah après, on sait que la Ligue Europa, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est un parcours semé d'embûches. Si on est court physiquement, je préférerais un retour en Ligue des Champions. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. Il faut absolument qu'on y revienne. Surtout si la situation sanitaire s'améliore. Ça coïnciderait avec un retour du public à San Siro et ce serait vraiment un beau cadeau pour les supporters qui sont restés fidèles pendant toutes ces années de galère.
Benjamin, toi, on peut te souhaiter peut-être une qualif en Europa pour la saison prochaine, Exactement, pour le ouais. Vitória. Ouais, c'est sûr, une qualif en Europa. Heureusement, c'était une victoire contre Braga, mais peut-être l'année prochaine, une victoire contre Braga. Mais là, dans l'immédiat, une qualif en Europa, ouais, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au Vitória et ce que je souhaite. Donc une qualif en Europa et l'année prochaine pourquoi pas une victoire dans le Derby do Minho comme on l'appelle. Esteban, toi peut-être une qualif en demi de Ligue des Champions et finir dans les 4 premiers de Bundes. Ouais, la quatrième place, parce que je pense que la troisième c'est foutu, mais la quatrième place c'est Ligue des Champions, donc c'est important. Mais la Coupe d'Allemagne surtout, tous les supporters veulent gagner la Coupe d'Allemagne en demi-finale. Je joue contre Holstein Kiel qui a battu, qui Le avait Bayern. éliminé le Bayern avant. On est vraiment tout proche de revenir à Berlin pour jouer la finale de la Coupe d'Allemagne. Et puis en Ligue des Champions, bien évidemment, on aimerait aller en demi-finale, mais après, surtout montrer de belles choses en quart de finale, et puis ce sera déjà bien. Et Cédric, pour nous, pour le FC Porto, une deuxième place en championnat et pourquoi pas une qualif aussi en demi de Ligue des Champions. Ce serait incroyable ça, mais bon, ce sera très compliqué pour la Tout qualif. dépendra du niveau de l'équipe à ce moment-là, peut-être. Tout dépend, hein, selon une masterclass d'un Pep encore derrière et d'un Marchesin. Et malheureusement, pas de Sergio Oliveira à l'aller, mais Et de faudra faire. Taremi. Et de Taremi aussi. On devra se taper Marega encore. Hein, bon. On commence à s'habituer, malheureusement. Bon, les gars, merci d'avoir été là, les gars. Merci à vous d'avoir été dispo pour cet épisode de King Foot Live. Moi, je vous dis à ce soir, les gars, sur mon live, donc pour ceux qui vont venir suivre pour commenter le match donc du FC Porto face à Apache. Et voilà, merci à vous, les gars. Et à la Merci. prochaine. Merci. Ciao, ciao, les Merci à gars. tous. Ciao, ciao, le live. Bye À ce soir. bye. Merci.